Yo, du coup, les gens, on va partir sur le cul là, avec un petit Nasus Mid des plus dégueulasses. Mais non, mais bien sûr que non, bien sûr que non. Ah, suite à problèmes techniques, problèmes tactiques et techniques, la vidéo de la dernière fois est partie à la poubelle. Il a parlé pendant 2 heures durant son écran. Et oui, sa femme s'est foutue de lui une bonne partie du week-end. Bon, j'avais une gueule aussi. Bon, alors, on va faire ça. Bah, ça sera pas en direct, hein. Ça sera en déconnectus, hein. Mais quelque part, hein, voilà, le plaisir sera quand même là. Voilà, c'est le dernier cours, le dernier cours, le cours de la libération, le dernier cours de système L2. Oh, voilà, c'est incroyable. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est détente, voilà, c'est. Ah, fallait que le problème technique arrive au dernier cours. Hein. J'ai vu qu'il y en a qui se sont levés hein, vendredi matin. Ah, mille excuses. Ah, bon, on fait ce qu'on peut, hein. On va le tenter maintenant. Ah, code qui déconne, les énigmes de Tonton Barry. Mais de quoi s'agit-il? Ah! Ça commence par un slide philosophique. Pourquoi pas? D'habitude, on est fou à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il dit le slide philosophique? Étudier le système parce qu'on veut devenir ingénieur système. Ben, il y a des gens pour qui c'est le grand kiff. Hein. Il y a des gens qui jouent Nasus Mid. Ben, voilà, il y a des gens pour qui veulent devenir ingénieur système. Parce qu'on adore l'infrastructure et le déploiement matériel. Pourquoi pas? Hein. Je veux dire, le système sera important. Parce que l'on souhaite aller en L3. Ça, c'est une excellente raison. Parce qu'on veut comprendre, on veut comprendre comment fonctionnent ces machines, ça c'est la meilleure des raisons. Parce qu'on veut savoir, c'est pareil, hein, la curiosité, ça permet, si vous voulez être bon dans votre métier, il faut être curieux. Hein, sinon, globalement, quand vous discutez avec des recruteurs, les recruteurs vous dites, on leur demande pas d'avoir la science infuse, on leur demande d'avoir envie, quoi. Hein, c'est être curieux, ça c'est un point très important. Hein, si vous allez systématiquement en cours en traînant les pieds. C'est que c'est peut-être pas fait pour vous, hein. Parce que l'on veut faire plus vite et plus efficacement. Mais ça aussi, ça c'est une très bonne raison d'étudier le système, hein. C'est à faire des programmes qui vont plus vite, qui sont plus efficaces. Mais c'est bien sûr. Alors le système est partout, on l'utilise sans le savoir. Parfois on fait des programmes, on pense pas qu'il y a vraiment du système, et pourtant il y en a toujours, c'est sûr et certain. Des codes dans des langages de haut niveau semblent incroyables, mais se justifient avec des notions de système. C'est-à-dire, même aujourd'hui, les langages qui permettent d'écrire des choses qui font des fonctionnalités très évoluées en très peu de lignes. Donc c'est le cas des langages de très haut niveau. Encore une fois, les plus célèbres, Python, Java, tout ce qui est multiparadigme, clairement, on va pouvoir écrire des choses qui sont très évoluées en très peu de caractères. Voilà. Alors que les vieux langages sont très verbeux. Il faut tout faire. Voilà. Alors peu importe le langage, tout programme évolué doit faire des entrées-sorties. Mais oui, il faut faire des entrées-sorties quoi qu'il arrive. Hein, et là, il y a du système, même dans ces langages de très haut niveau. Peu importe le langage, certains programmes ont besoin de faire du multiprocessing et du multithreading. Mais c'est bien sûr, et vous en ferez notamment en proc système l'année prochaine, et vous en ferez en M1. Premier cours de M1, ça sera concurrence et entrée-sortie. Là, à la rentrée, là, ça fait mal ça, mais bon, mais il faut y passer. Et puis c'est intéressant. Ça va loin quoi. Le système est incontournable même pour tout développeur généraliste. C'est-à-dire que même quelqu'un qui fait que de l'applicatif dans le tertiaire, ses applications, il y a un moment, elles font des interactions. Pour faire ces interactions proprement, il faut des notions de système. Alors qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est que ce cours détente? Les énigmes à Tonton Bory. Mais oui, à Tonton Doudal. Elles arrivent, un doudal, des doudous, naturellement, concordance des temps. Chacune est un mini problème de compréhension, bah, on va voir ça. Chacune attend des justifications. La compréhension des mécanismes système peut aider à la résolution. Il n'y a jamais de magie, jamais. Amusez-vous. Oui, globalement, c'est on arrive sur des codes où on se dit mais qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur m'en veut? Non, non. C'est à la question bug or feature. La réponse est feature, systématiquement. Ah bah, allons-y. It's a fake. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, ça a l'air d'être pas bien, ça. Ça, c'est pas bien. Alors, printerait prend en argument un tableau ainsi que sa taille. Il y a une boucle for qui tourne de 0 strictement plus petit que size, donc pour toute la taille du tableau. Et ça fait un printf de %d e crochet i. Oui, ok, il n'y a que ça à faire dans le printf. Il y a un petit espace entre chaque valeur. Et à la fin, ça fait un retour à la ligne. Un putchar, retour chariot. Très bien. Donc, printerait affiche un tableau d'entier.
Et dans le main, il n'y a pas de tableau, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5 variables locales qui se suivent comme ça, nature. Et en fait, on donne à Printeray l'adresse de la première. Incroyable, incroyable. Et ça s'appelle It's a fake. Voilà, il est où le tableau? Là, c'est marqué en bas. Incroyable. Donc il n'y a pas de tableau, mais il y a 5 variables locales déclarées à la suite. On appelle Printeray avec 5 et l'adresse de la première des variables locales. Donc ça, c'est faux, hein, je veux dire, c'est pas du C, c'est autre chose. Bon, on va quand même exécuter. Qu'est-ce qui se passe au niveau insulte? Moins wool, moins NSI, donc un bon niveau d'insulte. Et GCC ne balance qu'une seule chose, c'est des unused. Il dit qu'il n'y a pas de problème de type, hein. Je veux dire, l'adresse de A, bah, c'est un tableau, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Oui, c'est un tableau de taille 5, naturellement. GCC n'y voit aucun problème, super. Par contre, la seule chose qu'il dit, c'est ces quatre warnings en disant, oui, alors B, C, D, E, tu les as définis, mais tu ne les as pas utilisés. Voilà. Quand on exécute, eh ben, là, ça fait un 1243 moins 27, 192, 155. C'est, on voit bien les 5 variables locales qui ont été affichées dans l'ordre. Donc là, ici, clairement, ça, c'est pas du C, c'est pas correct. Par contre, on pourrait se dire, non, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est surréaliste ou pas tant que ça? Ben oui, c'est pas tant que ça de surréaliste. Notamment, après avoir fait le cours sur la pile d'exécution, vous devez savoir maintenant que toutes ces variables locales se sont retrouvées quelque part sur la pile d'exécution. Par contre, on n'a aucune garantie qu'elles vont se retrouver dans l'ordre. Là, en l'occurrence, bah, nickel, elles étaient bien dans l'ordre, et en fait, à l'adresse de A, quand je fais crochet 1, et ben, il fait bien un plus 4, parce que size of int est égal à 4, donc il fait un saut de 4 et il lit 43. Il fait un saut de 4, il lit moins 27. Donc en fait, ici, au niveau disposition de la mémoire, et ben, il n'y a pas eu de trou dans la mémoire, les 5 variables locales étaient bien contiguës, et elles se sont comportées exactement comme si c'était un tableau. Alors c'est pas un vrai tableau, hein, c'est it's a fake, bien sûr c'est pas un tableau, mais ça s'est comporté exactement comme si on avait eu un tableau. On est en plein dans la mémoire contiguë. Donc ici c'est un petit miracle, faut pas le faire, mais clairement ça veut dire que même quand un programme n'est pas correct, la pile d'exécution, elle est déterministe, elle fait son boulot. Donc là, oui c'est un truc qu'il faut pas faire, mais c'est pas si miraculeux que ça. Alors après, si vous compilez avec des options d'optimisation du style moins O2 ou moins O3, il se peut que les trucs qui soient set button used se retrouvent même pas dans le programme. Oui, parce que quand on demande de compiler avec des options d'optimisation, les algos d'optimisation, eux, tout ce qu'ils peuvent squeezer, ils squeezent, hein, ils coupent, hein, ils coupent, et puis bah faut que l'exécutable soit plus puissant, quoi. Bon là, en l'occurrence, nickel, ça marchait, bah voilà, je sais ce que c'est que la pile d'exécution, finalement, c'est pas si incroyable que ça. Oh, encore dans le même ordre d'esprit. Ouais, je vais encore aller trop vite, parce que, comment dire, quand on a fait déjà le cours une première fois, la deuxième fois, quand on le fait, après, on s'énerve, on est là, ah, mais pourquoi ça a bugué? Oh là là, je resterai un streamer de niveau 1. Voilà, donc unused and used initialized. Incroyable. Donc ça, ce sont deux warnings, hein. La warning de variable qui n'est pas utilisée et la warning de la variable qui est utilisée mais sans être initialisée avant. Donc là, j'ai quoi? J'ai une fonction foo de type void-void qui a une variable locale petit a, donc int petit a point virgule, aucune initialisation, et ensuite on l'affiche. Ah! Donc là, clairement, hein, je veux dire, voilà, il n'y a pas de Gromit MPX. On va tout de suite démarrer le Gromit MPX. Un petit terminal sur le dual screen. Gromit MPX. Gromit MPX, êtes-vous changé? Nous retournons ici, F9. Gromit MPX est arrivé. Ah oui, alors par contre, on a sauté d'un slide. Donc voilà. Donc ici, clairement, ça, c'est pas initialisé. Et là, c'est utilisé alors que c'est pas initialisé. Voilà, mais oui. Donc ça, c'est un problème. Donc là, clairement, ça, celui-là, c'est used initialized, c'est ça, c'est pour lui. Clairement, j'affiche un truc que j'ai pas, voilà. Ici, j'ai une autre fonction qui s'appelle bar, mais elle est aussi de type void-void. C'est-à-dire qu'elle a le même prototype que foo. Et il y a une variable locale int a est égal à 12, mais la fonction fait rien du tout. Mais rien du tout. Il n'y a que ça. Ces deux fonctions ont quand même beaucoup de choses en commun, parce que là, on va appeler foo, ici on va appeler bar, et ici on va réappeler foo. Les choses qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont même prototype, et elles ont exactement les mêmes variables locales. En l'occurrence, elles ont qu'une seule variable locale, qui est de type integer, int,
et que systématiquement elle s'appelle A, mais ça, à la limite, on s'en fiche. Je pense qu'elle pourrait s'appeler B, Z de manière différente. En tout cas, elles n'ont qu'une seule variable locale qui est de même type. Donc au début, on fait l'affichage sans initialiser. Là, on initialise, mais on ne fait rien de la variable. Et là, on refait l'affichage sans initialiser. Donc oui, c'est un programme qui va faire des warnings. Hein. De toute façon, le titre du slide était déjà des noms de warnings. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe quand on exécute? Moins ou moins NSU, bon niveau de message d'insulte de la part de GCC. Et on a bien unused variable A. Donc ça c'est pour bar. Et pour foo, on a que A est utilisé sans être initialisé. Voilà, on exécute le premier affichage. Donc la première fois que foo passe à l'action, ça affiche un truc qui n'est pas dans le manuel. La deuxième fois, ça affiche pas la même chose, mais ça affiche le 12. Ça affiche le 12 de le 12 qui on a quand même l'impression qu'il vient du bar. Donc ici encore, c'est un peu le même problème que le précédent. C'est pas des variables locales qui se retrouvent être en mémoire contiguë. C'est un peu différent. C'est deux fonctions qui ont exactement le même prototype. Donc là, clairement, sur la pile d'exécution, on imagine que le cadre, la frame, le cadre de bar ou le cadre de foo, c'est exactement les mêmes en termes d'espacement mémoire. C'est-à-dire, comme ce sont deux fonctions void-void, la taille pour leur type de retour, la taille prévue pour leurs arguments et la taille prévue pour leur variable locale, mais ça paraît tout pareil. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Foo passe à l'action sur un truc qui n'est pas initialisé. Donc la première valeur, bah, c'est un peu WTF, on ne sait pas trop d'où ça vient. Par contre, après, quand bar passe à l'action, bar va monter sur la pile d'exécution, va mettre le 12 sur la pile d'exécution et ensuite va redescendre sur la pile d'exécution, va redescendre. Mais, entre guillemets, bar aura fait son travail. C'est-à-dire que bar aura rien fait si ce n'est de modifier, entre guillemets, une variable locale qui se trouve quelque part au-dessus de la pile d'exécution. Donc, quand foo repasse à l'action, elle récupère ce qui a été initialisé par bar. Donc, encore une fois, c'est dégueulasse, c'est pas du C. Et ici, qu'est-ce qu'on exploite comme bug? Alors, c'est pas un bug, c'est une feature. C'est-à-dire que les gens ont décidé que pour que les exécutables soient le plus rapide possible, il n'y ait pas un mécanisme de nettoyage de la pile d'exécution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mécanisme, il n'y a pas un petit balayeur qui vient remettre les bits à zéro. C'est-à-dire, la variable, elle est dans l'état qu'elle est sur la pile d'exécution. Et ici, clairement, quand bar traficote la pile d'exécution pour mettre 12, il n'y a aucun mécanisme qui ralentirait les programmes, qui remet les bits à zéro. Donc ce 12 pourrait être réutilisé ici par la fonction foo. Donc OK, c'est pas du C. OK, c'est normalement c'est comportement undef. Mais en fait, on se rend compte que si on connaît bien de manière subtile la pile d'exécution, ben on n'est pas si surpris que ça. Parce que ben, vous avez compris un peu plus comment fonctionnait la mémoire dans nos processus, et en l'occurrence ici dans les programmes C. Voilà, mais oui, code de retour absent. Ah, encore un, encore un, encore un. Allez, mais celui-là, je crois bien que justement, je l'avais codé vendredi, donc on va le retrouver. Oh là là, c'est quand même extrêmement moche. J'ai pas fait un fichier Hello comme un saligo. Oui, j'ai codé un bonjour toi. Oh là là, quelle tristesse, quelle indignité, quelle indignité. Alors, GCC, voilà, donc là, j'ai un bonjour toi. Bonjour toi. Alors, GCC moins O poète, voilà, de hello.c. Voilà, donc voilà, niveau d'insulte, moins wall, moins NSI. Ok? Donc là, j'ai effectivement, j'ai un main ici, là, qui a fait la promesse de retourner un entier. Il a fait la promesse de retourner un entier, mais il n'y a pas de return dans mon main. Donc, je n'ai pas tenu ma promesse. Warning. Voilà, warning, tu n'as pas tenu ta promesse. Void était censé retourner un entier. OK. Comment s'est passée la compilation? Alors, il est où celui-là? Il est là. Voilà. Comment s'est passée la compilation? Zéro. La compilation s'est très bien passée. Exécutons le programme poète. Bonjour, toi. Comment s'est passé ce programme? Sachant que ici, si un programme fait return 0, bah ça affiche 0. Si mon printf, si j'avais mis return 480, ça aurait affiché 480. Alors combien ça va afficher ici? Ah, j'ai essayé de compter dans ma tête. Moi, je dirais bien un petit 12 là. Un petit 12? Oh là 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 là, mais comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait?
Pourquoi 12? Mais pourquoi 12? RTFM. Alors qu'est-ce que dit? Alors comment on fait une recherche déjà slash. Alors il est en français ou il est en anglais là? Il a l'air d'être en français. Donc renvoyer. Renvoi. Voilà. Valeur renvoyée. Alors, en cas de succès, ces fonctions renvoient le nombre de caractères affichés. Incroyable. Donc ça renvoie le nombre de caractères affichés. Mais combien ça affiche de caractères ce printf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Retour chariot, 12. Ok, donc il affiche 12 caractères. Alors, mais pourquoi ce 12 a été retourné? J'ai oublié de tenir ma promesse. J'ai oublié de mettre un return. Simplement, le système d'exploitation, il dit, ok, t'as pas mis de return. Allô, je voudrais voir quel est le dernier entier qui est sur la pile d'exécution. Vous savez, l'endroit où main aurait dû mettre son retour entier. Il a trouvé que le 12. Et le 12, il correspond quoi? À la dernière fonction exécutée. C'est-à-dire, comme j'ai fait une erreur de programmation en ne mettant pas ce return, lui, il est déterministe, il dit, à l'endroit où aurait dû se trouver ce return, qu'est-ce que je peux lire? Et la réponse que fait ici le programme, c'est, il n'y avait pas le return, et le dernier entier qui traînait dans la mémoire, c'était le retour de printf. C'est-à-dire que là, entre guillemets, je vais prendre un petit imax, voilà. Allez, imax, imax, voilà, incroyable, hello. Alors, faut réussir, hein. On entend un bloop, 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 parce que voilà. Alors, on va agrandir ça. Je vais rajouter deux caractères. Bonjour, toi, XX, voilà, deux caractères de plus. Alors, CTRL XS pour sauvegarder, CTRL XC pour quitter. On va chercher la recompilaciones. On va réexécutionnus, voilà. On va demander comment s'est passé le dernier programme. 12 plus 2, 14. C'est-à-dire que vraiment, ce, entre guillemets, je vous remets le programme, c'est déterministe la pile d'exécution. Hein. J'ai oublié le return de ce main. Il prend le premier entier qu'il y trouve sur la main, c'est l'entier qui est retourné par printf. Voilà. Donc là encore, entre guillemets, maintenant je vais reprendre le slide du cours, parce que là, maintenant qu'on a compris le truc, on va pouvoir faire le calcul. J'ai ce programme qui s'appelle Hello World, donc H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, espace, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, alors, je compte 14, je sais pas si je suis, parce que je suis un peu mauvais quand même en calcul. Oui, c'est bien 14, donc ça a été compilé, il y a bien exactement le même insulte, Henbury Bayer. C'est vrai que j'ai écrit les cours de système sur cet ordinateur, donc c'est bien Bayer qu'on voit. Donc, point slash poet, il y a un hello world, echo, dollar point d'interrogation, on est bien à 14. Ce 14, c'est pas 13, c'est pas 15, c'est vraiment le nombre d'octets qui ont été écrits par la sortie standard, en particulier qui ont été retournés par printf, qui était la dernière fonction à avoir été appelée dans ce main incorrect. Voilà, bon, bref, très bien. Bon, alors tout ça pour de la pile d'exécution, on pourrait dire on a un peu marre, voilà. Alors, percer les mystères de malloc, là. Voilà, pour ceux qui se sont fait violence et qui ont réussi à réécrire ou en partie réécrire une partie de malloc, donc déjà, félicitations. Globalement, dites-vous qu'entre le malloc que vous écrivez et le vrai malloc, la seule différence, c'est qu'il y a un appel, donc les deux fonctions BRK et SBRK, là c'est en gros, nous on est parti sur un pool qui était fixe d'un giga. Ce pool, en fait, on peut l'agrandir ou le diminuer dynamiquement. Mais c'est pas ça la grosse partie difficile quand on réécrit malloc. Quand on réécrit malloc, la partie difficile, c'est gérer la segmentation à l'intérieur d'un énorme segment contigu. C'est-à-dire, c'est exactement ce qui vous a été demandé dans le mini-projet. C'est-à-dire, vous avez un pool statique qui est énorme. Comment ne plus faire des appels système avec malloc et free, mais vous réécrivez votre my malloc et votre my free. Par contre, vous êtes sur un pool statique. Hein, donc, si votre programme a besoin de moins d'un giga, c'est de l'overkill. Si votre programme a besoin de plus d'un giga, ça ne marchera pas. Mais vous avez fait toute la partie algorithmique où on essaye de manager plusieurs segments à l'intérieur d'un énorme gros segment. Ce qui est vraiment le problème relevé par la malloc family. Voilà, incroyable. Donc pour visualiser le fonctionnement de malloc en 64 bits, il faut afficher deux unsigned long int, donc ça va être des size underscore t, mais sur une machine 64 bits, ça va être des entiers longs positifs, qui sont juste avant les zones retournées par malloc. Et c'est ça qui est beau, c'est le juste avant. Comment on fait pour aller juste avant?
Quand vous avez l'adresse d'un tableau, vous faites l'étoile, vous faites crochet 0, vous allez obtenir le premier élément. Pour avoir le deuxième, vous faites un jump de la taille d'un élément pour aller à une adresse un peu plus loin et lire le second. Là, on veut lire avant. Avant, c'est-à-dire c'est pas crochet 1, crochet 2, crochet 3, c'est dans l'autre sens qu'on veut aller. Oh là 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 là, incroyable. Alors nous avons un petit code ici, et puis voilà, là c'est marqué dans la documentation, crochet moins 1, crochet moins 2, mais que fait la police? Voilà, bien sûr, que fait la police? Crochet moins 1, crochet moins 2, voilà. Faites ça en cours d'Algo des Arbres, devant Monsieur Zipstein, et appelez-moi pour voir comment vous ressortez de la salle de TP une fois qu'il a vu vos crochets négatifs. Voilà, donc effectivement, ici ça s'appelle Display Info. Ça prend en argument une zone mémoire qui n'est juste ici une adresse, donc un veuille d'étoiles. C'est pas typé, on ne sait pas du tout quel type de zone c'est. Et la première chose qui est faite, c'est que, donc ça, c'est, on ne le répétera jamais assez, on ne peut rien faire d'un veuille d'étoiles. C'est-à-dire, ça, là, ce petit zone est inexploitable. Hein. Alors, le bouton de la souris déconne, le bouton du touchpad, non. Donc, on ne peut rien faire de ce zone. Impossible. Mais un voile d'étoile peut être casté. Donc ici, qu'est-ce qu'il est décidé? Il est décidé de le caster en size underscore t étoile. Sachant que size underscore t, regardez comment il est affiché, c'est un long unsigned. C'est pour ça que je vous dis unsigned long int. Hein. Ça s'affiche avec %lu, parce que c'est un entier long positif, donc long unsigned. Donc qu'est-ce que je fais? Je récupère une zone qui m'est donnée par malloc. Je rappelle que malloc retourne du voile d'étoile. Et là, je vais afficher dans l'ordre le truc qui est juste avant, voilà, juste avant, et le truc qui est deux fois avant. Donc j'affiche d'abord le crochet moins 1, et ensuite le crochet moins 2. Voilà. Ok, donc clairement, ça c'est pas dans le manuel, hein, clairement, mais bon, je veux dire, j'ai le droit d'ouvrir le capot pour essayer de savoir comment fonctionne malloc, quoi. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc je charge diesinclude stdlib, j'appelle 3 mallocs, je fais un malloc de 1000, un malloc de 20000 et un malloc de 5000. Ensuite, je prévois 3 expériences, donc une fois que tout est alloué, j'affiche les 3 informations de zone. Ensuite, je fais une libération de celui du milieu, je réaffiche les 3 informations de zone pour voir, une fois que celui du milieu est libéré, qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, je libère les 2 derniers et je re-regarde les informations contextuelles. Voilà, donc le dernier appel, vraiment les 3 derniers là, les 3 derniers display info, je suis en train de faire une lecture sur des choses juste avant de la mémoire qui a déjà été libérée. C'est extrêmement dangereux, hein. Je veux dire là, si on appelle Valgrind, ce programme c'est un sapin de Noël, hein, mais faut pas le faire, quoi, hein, clairement. Mais j'ouvre le capot pour essayer de voir comment ça marche. Ok, nickel. Alors qu'est-ce que je vois ici? GCC moins au poète, niveau d'insulte sympathique, aucune insulte. Alors là, GCC moins wall moins NSI, crochet moins 1, crochet moins 2, on adore. C'est super. C'est super. Ça va, tout va très bien. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit que le crochet moins 1, là, on lit des trucs qui ressemblent presque à la taille. Là, on voit un 1009, là, on voit un 20017, et là, un 5009. Ouais, 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 ouais. Ensuite, on voit un 1009, on a libéré celle du milieu. Il n'y a rien qu'à changer sur celle du milieu. Par contre, là, effectivement, ça a changé le crochet moins 2 de la troisième zone. Ouais, pourquoi pas? Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On a tout libéré, et là, bah, qu'est-ce qui se passe? Y a un truc qui a été modifié ici. Bon, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, bon, bref, bon. Bon, pourquoi pas, hein. Alors, globalement, ici, cette expérience ne va pas suffire pour percer les mystères de malloc. C'est-à-dire, dites-vous que les gens qui... le malloc de la GLibC, il est téléchargé dans beaucoup d'endroits dans le monde. Voilà. Sur le nombre d'ordinateurs qui a une version de ce malloc sur la planète, des ordinateurs qui parfois ont des vies humaines en jeu, parce qu'il y a des ordinateurs, je sais pas, l'ordinateur d'un appareil chirurgical, l'ordinateur qui pilote, vous savez, aujourd'hui, l'appendicite, c'est pas on vous fait une balafre et on recoue, hein, c'est on envoie 2 outils, une caméra, et en gros,
vous êtes pas alité pendant une semaine. Hein, c'est voilà, donc entre guillemets, la technique, elle est partout et parfois c'est très sérieux, quoi. On peut pas se permettre d'avoir un bug dans Malloc. Hein. Donc dites-vous que Malloc, il n'y a pas de problème, il est safe. Ici, globalement, on n'aura pas le fin mot de l'histoire, mais parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait le croire. Alors clairement, si je fais un dessin, Malloc m'a retourné une zone, voilà, que je vais dessiner ici, là. En fait, on m'a donné un pointeur vers le début de cette zone. Hein. Donc voilà, si j'essaye d'assurer, là, je vais un peu souffrir. Ou sinon, je fais le clic sur le touchpad. Oula, là, j'ai fait le clic sur le touchpad et j'utilise la souris pour bouger le pointeur. Parce que je me suis dit, pour bouger le pointeur, t'es plus rapide à la souris, mais le clic de la souris déconne. Hein. Ouais, ouais, quand est-ce qu'il m'achète une souris, là? Bon, alors, voilà. Donc ça, c'est la zone retournée par Malloc, je l'ai assuré. Et j'ai le crochet moins 1 et le crochet moins 2. Donc le crochet moins 1, il est là. Le crochet moins 2, il est là. Alors attention, ils sont affichés dans l'autre ordre. Si vous regardez la valeur, première chose, si vous faites un peu plus d'expérience que j'ai fait là, vous allez vous rendre compte que Malloc, il retourne toujours des tailles qui sont des multiples de 8. Ça, c'est systématique. Et si vous faites un Malloc qui vaut entre 1 et 16, ça va prendre 32 octets de mémoire. C'est-à-dire, quand vous avez une zone, là, les deux unsigned long int qu'il y a avant, c'est 2 fois 8 octets. Donc, j'ai 16 octets de mémoire contextuelle. Et comme Malloc utilise toujours des multiples de 8, ça veut dire que quand il fait des offsets, quand il fait des jumps, quand il fait des écarts entre deux adresses, eh ben les écarts sont toujours des multiples de 8. C'est-à-dire que les écarts, eh ben en binaire, un multiple de 8, c'est quelque chose qui se termine par 0, 0, 0. Un nombre pair, ça se termine par 0 en binaire. Un nombre multiple de 4, ça se termine par 0, 0. Un multiple de 8, ça se termine par 0, 0, 0. Et le fait qu'un multiple de 8 se termine par 0, 0, 0, eh ben ce que l'intelligence des gens qui ont codé Malloc, c'est le fait de se dire, eh ben, sur le dernier bit, sur les bits de poids faible, les 3 bits de poids faible, parce qu'on est sur des multiples de 8, je vais stocker des informations contextuelles. Parce que 3 bits, je peux compter, je peux stocker 3 booléens. Je vais pouvoir dire la zone est libre ou la zone est occupée. Ça m'évite d'avoir une variable supplémentaire, un crochet moins 3 ou je ne sais quoi. C'est-à-dire je vais tout coder dans la même donnée. Bon, alors, algorithmiquement, voilà, c'est un petit peu plus difficile à coder. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'extraire le bit et il faut être capable de baisser ou de descendre, de monter ou de baisser le drapeau. Donc c'est un peu plus pénible à coder, mais ça permet de coder plus d'informations sur le même endroit. Alors si vous regardez les crochets moins 1, c'était un peu la taille des zones. Donc le crochet moins 1, c'est plutôt un pointeur vers la zone suivante. Et le crochet moins 2, eh ben, vous le voyez par exemple ici quand on a libéré le truc du milieu, c'est que le crochet moins 2, c'est plutôt un jump vers le segment précédent. Donc l'implémentation de Malloc aujourd'hui, ce sont des segments logiques. Alors segment logique, ça veut dire que le segment qui a été retourné par Malloc, il est là. Et pourquoi il est logique? Il est logique parce que Malloc a retourné de l'information contextuelle, a rajouté de l'information contextuelle juste avant, pour savoir quelle est la taille du segment qu'il a alloué. Donc quand je vais appeler la fonction free, je vais appeler la fonction free avec ce pointeur, parce qu'il faut toujours appeler free avec un truc qui a été donné par Malloc. Quand je vais appeler la fonction free avec ce pointeur, eh ben, qu'est-ce que va faire free? Free, il va lire le crochet moins 1, et grâce au crochet moins 1, il va se dire « Ok, donc en fait, je dois libérer cette zone qui a telle taille ». Parce que quelque chose que vous pouvez demander, entre guillemets, durant vos premiers cours de C, c'est « Monsieur Zipstein vous a dit, oui, les tableaux ne connaissent pas leur taille ». Et il a raison, les tableaux ne connaissent pas leur taille. Par contre, l'allocation dynamique, elle sait qu'elle connaît la taille des segments qu'elle a alloués. Ça ne veut pas dire qu'elle connaît la taille des tableaux, hein, parce que dans une zone allouée, vous pouvez mettre 3 tableaux, 2 tableaux ou un seul tableau. C'est-à-dire que le C ne connaîtra pas, toujours pas la taille des tableaux. Par contre, la Malloc Family est capable de connaître la taille des segments alloués. Donc Free ne segfault pas. Free connaît la taille des zones allouées. Free ne connaît pas la taille des tableaux. Il connaît la taille des zones allouées. C'est différent. La zone allouée, on en fait ce qu'on en veut après. On peut la caster dans tous les sens et faire des choses dégueulasses. Mais en tout cas, au moment où on lui a demandé la mémoire, combien on lui a demandé, ça s'est stocké. Voilà, voilà, donc les mystères de Malloc, donc c'était voilà, le petit code qui déconne, avec
un magnifique crochet moins 1, un magnifique crochet moins 2. On en reveut, c'est trop trop bon. Voilà, c'était incroyable, mais on adore ça. Ah là 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 là. Donc là, on arrive sur du Python, ça va moins vous plaire, hein, mais bon. C'est encore du Python qui fait un comportement bizarroïde qui va se comprendre au niveau du C. Alors effectivement, en Python, en L1, vous n'avez pas fait du Python objet. C'est-à-dire que vous avez, globalement, vous avez peut-être vu les classes vraiment en fin d'année, en fin d'AP2. Passé une époque, on essayait d'en faire un petit peu, mais quoi qu'il arrive, clairement, ce qui est important en AP1, AP2, c'est les dictionnaires, les listes, les tuples. Qu'est-ce que c'est que les listes qui sont mutables, pourquoi le reste est immutable, les dictionnaires, comment on compte les occurrences. Voilà. En AP1, AP2, on est plutôt sur de l'impératif, on fait du Python impératif. Par contre, plus tard, vous allez faire du Python avec classe, vous allez refaire du Python notamment en L3, vous allez faire du, bah, vous faites du Python avec mon système, vous allez faire du Python en crypto en M1, parfois même plus tard si vous continuez sur par exemple, je sais pas, un M2 Matinfo, exceptionnel ce M2. Donc ici, vous avez une classe WTF qui est complètement vide. Alors pour dire qu'une classe est vide en Python, on met pass. C'est pour éviter que ça fasse un problème de syntaxe. Pass, c'est un mot-clé qui veut dire: en tant que programmeur, je suis conscient que cette chose-là est libre, est vide, mais je veux qu'elle soit vide. Donc quand je mets pass, c'est pour dire je ne veux rien mettre dans cette classe. Donc c'est une classe minimale, elle fait rien. Voilà. Par contre, ici, ça me fabrique un objet de la classe. Et ça me fabrique un objet de la classe. Voilà. Voilà. Et la fonction id, vous l'avez peut-être déjà croisé en Python, quand on fait id d'un objet, ça retourne l'adresse en mémoire de l'objet. Donc si deux objets ont exactement la même adresse, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que vous avez deux pointeurs vers le même objet Python. Voilà, voilà. Donc le is fait exactement ça en Python. En Python, le is, c'est un test qui dit si ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite sont exactement la même chose en mémoire. C'est-à-dire que ça pointe vers le même objet Python. Donc là, quand on fait le premier test, on lui dit « what the fuck is what the fuck » et qui répond « false ». Il dit, quand je fabrique une instance de cette classe et quand je fabrique une instance de cette classe, si je les compare, je n'ai pas les mêmes instances. C'est-à-dire qu'il a fabriqué deux instances complètement différentes en mémoire. Donc ça, c'est une égalité mémoire. Juste en dessous, vous avez une égalité sémantique. Alors, c'est quoi une égalité sémantique? On pourrait imaginer une classe qui fabrique des entiers et dans cette classe, j'ai le droit de fabriquer deux fois 0. Donc je vais fabriquer un premier 0 que je vais appeler petit a, je vais fabriquer un deuxième 0 qui s'appelle petit b. Il se pourrait que a et b soient deux éléments qui sont des entiers qui valent 0, que j'ai des nouveaux entiers que j'ai fabriqués moi. Voilà, tous les deux ils valent 0, mais en mémoire ne sont pas les mêmes. L'égalité sémantique, c'est moins fort que le is. C'est moins fort, c'est globalement, le égal-égal, c'est on parle d'égalité sémantique, c'est on décide, le programmeur décide quand est-ce que deux objets sont les mêmes. Je pourrais décider d'avoir fabriqué deux zéros différents, mais de dire en fait, considère-les mathématiquement comme égaux, donc égal-égal, je veux que ça réponde true. Donc ici, quand on voit le false, ça veut dire que non seulement les objets sont différents en mémoire, mais en plus, les objets, ils sont différents sémantiquement. Et maintenant, je regarde leurs adresses. Donc, je fais id de WTF égale égale id de WTF. Donc là, il me disait, non, non, mais ce ne sont pas les mêmes objets. Alors, la définition de is, c'est il va comparer les id. C'est-à-dire, la définition de is, c'est entre guillemets, il fait ça. Voilà. Et là, quand je compare les adresses, il me dit, ce sont les mêmes. Voilà. Donc là... Les gens qui ont vu ça en premier se sont dit, oh là là, mais on a trouvé un bug incroyable dans Python. Python nous dit que c'est pas les mêmes objets, mais ils sont pourtant à la même adresse. Mais que se passe-t-il? Comment ils puissent être à la même adresse et pas être les mêmes objets? La définition de is, c'est qu'ils ont la même adresse. Alors comment ils peuvent pas être les mêmes et avoir... Mais ça va plus, la tête explose. Et puis là, encore une fois, bug or feature, c'est toujours feature. Si vous pensez que c'est bug, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors moi, celui-là, je ne l'ai pas deviné. Hein. Celui-là, il m'a foutu une claque. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais que se passe-t-il? Comment c'est possible que ce soit... Non, non, j'y croyais pas. Bon, bref. Jusqu'à ce que je vois ça. Voilà, donc qu'est-ce que je vois ici, là? C'est ici, à la création de l'objet, on met un print malloc. Et à la destruction de l'objet, on va mettre un print free. Donc, entre guillemets, malloc va être affiché...
lorsque je vais instancier la classe et fabriquer l'objet, et free va apparaître lorsque le garbage collector va dire ok, on n'a plus besoin de cette chose là, donc on va libérer automatiquement la mémoire. Parce qu'autant on sait, on fait les malloc et les free, autant le système, bah lui, c'est à lui qu'on demande l'allocation et la libération. Dans un programme Python, c'est tout automatique. Alors quand vous exécutez what the fuck is what the fuck, celui-là qui répond false, eh ben, il crée un premier objet, il crée le deuxième, il libère le premier, il libère le deuxième. Mais on va dire, ben voilà, il y a deux objets, donc ce ne sont pas les mêmes en mémoire. Il y a eu deux mallocs, les deux mallocs ont retourné deux adresses différentes, et quand on fait le is, il y a bien deux objets différents. Et quand on exécute celui-là avec la même classe au-dessus, là, on se rend compte qu'en fait, il fabrique le premier objet, donc il fabrique ce premier what the fuck, ici, mais juste après, il récupère l'ID. Donc l'ID, ça lui donne une adresse. Maintenant qu'il a l'adresse, ben, il n'a plus besoin de l'objet, il a l'adresse de l'objet. C'est de toute façon le égal égal. Il ne porte pas sur WTF. Hein. Le égal égal, il porte sur l'adresse de WTF. Donc maintenant qu'entre guillemets, il a récupéré l'adresse de l'objet, il n'a plus besoin de l'objet, il le libère. Mais là, quand on réexécute what the fuck, on demande une nouvelle instance de la même classe. Donc en fait, ici, eh ben, il refait un malloc, mais il refait un malloc d'exactement le même size of. Donc, on ne le connaîtra jamais, ce size of. Ce size of, ça dépend de vraiment comment est codé le langage Python. Et en plus, entre Python 2, Python 3, machin chose, si ça se trouve, ça a changé. C'est-à-dire que ce size of, c'est quelque chose qui est interne à Python. En tant que programmeur, on n'a pas à savoir quel est le size of d'une classe vide what the fuck. Mais quoi qu'il arrive, même si on ne connaît pas le size of, il est clair que le premier et le deuxième WTF ici ont forcément la même taille. Et donc, en gros, si je fais malloc de 53, que je fais free, et que je refais malloc de 53, il y a toutes les chances que j'obtienne exactement le même segment au même endroit. Et c'est ce qui se passe ici, en fait. En fait, il alloue, il prend l'adresse, il libère, il alloue au même endroit, il prend l'adresse, donc la même, et il libère. Et là, à la fin, il a trou. Et ça c'est pas bug, c'est feature. C'est-à-dire, on pourrait dire, mais attendez, vous avez dit que le is, c'était la comparaison des adresses. Oui. Mais si vous lisez la documentation de Python extrêmement fidèlement, ils vont vous dire que ID, ça retourne l'adresse d'un objet, mais c'est valide si l'objet est toujours en vie. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qui n'est pas valide? C'est cette écriture-là. Si par contre, vous mettez A est égal à WTF, B est égal à WTF, et ID de A égale égale ID de B, là, ça va répondre false. Pourquoi? Parce que vous avez laissé, le garbage collector n'a pas le droit de libérer A et B parce que vous les avez stockés dans une variable qui fait partie de votre programme Python. Donc il n'a pas le droit. Ici, je n'ai pas stocké WTF. Je l'instancie avec les parenthèses et juste après, je prends l'adresse. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. C'est-à-dire que ici, pourquoi cette idée n'a pas de sens? Parce que l'objet est libéré avant qu'on ait fait le test. Et c'est pour ça qu'en fait, cette deuxième écriture est mauvaise. La classe WTF ici, elle retourne bien des instances qui sont différentes les unes les autres. Donc le is, c'est normal qu'il retourne false. Ici, il y a un petit miracle qui se passe, c'est que le garbage collector est passé à l'action trop vite. Il est passé à l'action juste après ID, et ça, c'est incroyable. Voilà. Donc voilà, donc bon, bref, c'est du Python. Vous en ferez plus tard, vous serez encore plus choqués, mais voilà, voilà, incroyable. Bon, celui-là, il est tellement dégueulasse que je l'avais passé vendredi matin, seul comme un abruti devant mon écran. Ben, je vais le repasser de toute façon, parce que, voilà, c'est une petite pirouette de champion de ski. Ça vient de ce fameux Grégory Châtel, un homme comme ça. Voilà. Ah, Challenge Syracuse, là, je crois bien que je l'avais recodé. Donc le but du jeu, je vais le coder là, je vais le recoder encore une fois. Alors comment on concode ça? On fait escape, incroyable, reduction. Voilà. Alors comment je l'avais appelé? Je l'avais appelé Sira. Mais oui, Sira. Alors on va repartir. Alors je vais mettre Sira 2, voilà. Sira, allô papa, Tango Charlie. Alors là je vais essayer d'agrandir. Hop.
Dies include, on va refaire un petit stdio.h. Donc le but du jeu, c'est quoi? C'est de faire une fonction qui affiche la suite de Syracuse par rapport à un argument donné. Voilà, donc là, je vais faire un next. Alors, je vais l'écrire comme un gros saligo en une ternaire. Donc, i modulo 2. Si, et là, je fais une ternaire, donc c'est un if. Donc, entre guillemets, ça, c'est le test. Donc, si i modulo 2. I modulo 2 est vrai si i est impair. Et si i est impair, la suite de Syracuse dit je multiplie par 3 et j'ajoute 1. Sinon, je divise par 2. Donc, voilà. Donc, ça, c'est exactement le next dans Syracuse. C'est une ternaire, je regarde si i est impair. Si i est impair, je multiplie par, je retourne 3 fois i plus 1. Sinon, je retourne i divisé par 2. Incroyable. Ensuite, je vais prendre un main. Donc, arc C, char étoile, arc V. Arc V, voilà, voilà. Ah, voilà, il va réussir à l'écrire. Et qu'est-ce que je vais faire dedans? Si je prends un argument to integer, il va me falloir un petit stdlib. Stdlib, incredible. Voilà. On va commencer par prendre le point de départ. Je sais pas, on va l'appeler ça n. Hein. N est égal à donc argument to integer de argv crochet 1. Ça ira très bien. Argv crochet 0 est en point slash. Je ne vais pas vérifier qu'il y a le bon nombre d'arguments. Ça, c'est que fault si j'oublie de mettre l'argument derrière le point slash nom du programme. Point slash poète, pour ne citer que les plus célèbres. Et puis, je peux faire ça avec un while. Alors, c'est quoi mon while? C'est tant que n est différent de 1, eh ben, j'ai envie d'écrire la liste. Alors, tant que n est différent de 1, je fais un printf de n. Voilà. Oui. Espace, voilà, ça c'est incroyable. Je prévois déjà mon petit return 0, là, le temps que mon cerveau se mette en route pour la réflexion. Je voudrais retourner à la ligne, alors je vais mettre, j'ai pas besoin de printf, hein, putchar va suffire, hein, putchar retour chariot, hein, ça c'est encore mieux, il n'y a pas de littéral, c'est pas une fonction variadique, il n'y a rien à analyser. Ça fait juste balance un petit char sur la sortie standard. Ici, par contre, je veux du printf parce que c'est n que je veux afficher. Et c'est un %d parce que je vais l'afficher en base 10 décimale. OK. Mais je vais d'abord calculer next. Donc, n est égal à next de n. Mais oui, ça m'a l'air pas mal, ça. Ça m'a l'air pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, c'est pas en direct. Quelle tristesse. Alors, GCC moins O poète. Mais c'est super. Sira 2. Sira, cépage. Sira. Voilà. Moins wall. Moins ANSI. Incroyable. Aucun message d'insulte. Alors, poète, le célèbre, c'est 27. Hein. 27. Hein. Oh là là. Quelle tristesse. Ça n'affiche rien. Mais pourquoi ça n'affiche rien? Pourquoi suis-je si mauvais? Imax Sira 2. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis quoi là ici? CTRL-G, j'ai rien compris. Alors, j'agrandis CTRL-X1. Pourquoi ça n'affiche rien? J'ai dit quoi? J'ai dit atoi de argv crochet 1, ok. Quand il est égal, while, oui. Tant qu'il est différent de 1. Oui, parce que sinon, on ne va pas souvent rentrer dans le while. Hein. Ok, bon voilà, bah oui, quand on suit pas, on suit pas, hein, mais voilà, si je suis pas, bah je suis pas. Alors 27, il est censé déblatérer beaucoup, je me sens un petit peu mieux tout à coup, voilà, je sais presque programmer. Voilà, donc 27 est très célèbre, parce qu'avant de faire 4-2-1, 4-2-1, 4-2-1, 4-2-1, 4-2-1, 4-2-1, il monte à 8000 ou je sais pas quoi, là, il joue un 7000 là ici, là il est énervé, et puis de mémoire je croyais que ça montait jusqu'à 9000, mais oh, je sais plus, de toute façon quand on aime on compte plus, voilà, vous le regarderez, c'est votre ami, c'est Syracuse, ok, donc si je fais Syracuse de 4, 4-2-1, 4-2-1, voilà, si je fais Syracuse de 10, alors je sais pas, Syracuse de beaucoup, ça fait beaucoup. Mais on arrive à 4-2-1, 4-2-1. Et alors, c'est quelle est la limitation? Ici, j'ai pris un int. Donc, je peux aller jusqu'à, on va dire, 1 milliard et des brouettes. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1, 2, 3. Voilà, ça marche encore. Ah, sauf qu'il peut y avoir, un petit dépassement de capacité quand même. Hein. Je suis pas à l'abri d'un dépassement de capacité. Et oui, j'ai eu un dépassement de capacité ici. Voilà, parce que la suite de Syracuse est censée être positive. Ben voilà, ben voici comment faire un bug silencieux. Je suis parti d'un nombre qui est plus petit que 2 milliards et des brouettes. Simplement, attention, la plage de valeur, quand je fais multiplier par 3 et que j'ajoute 1, je peux très facilement sortir de ma plage de valeur. Hein. Donc là, c'est ce qui s'est passé ici. Donc en fait, ce n'est pas la suite de Syracuse. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. 27, c'était pas n'importe quoi. Parce que 27, on n'est pas monté à plus de 2 milliards et des brouettes. On est resté sur des valeurs raisonnables. Bon, on oublie ce détail de dépassement de capacité. Maintenant, je reprends le programme. Voilà. Et le but du jeu, c'est d'écrire ce fameux Syracuse, voilà, en 52 caractères. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif, là, Monsieur Cadbury? 52 caractères. 52 caractères. Oh là là, 52 caractères. Donc c'est... Alors, comment on fait ça en 52 caractères? C'est dégueulasse. Donc en fait, première chose qu'on peut faire, c'est de dire ah ben ça c'est pas grave. Voilà. Ça on va le coder autrement. Ça on va pas dire que ça retourne un entier. Ça on va pas dire que les... on va juste dire que ça prend un argument. Donc voilà. Donc là j'ai voilà c'est on est dans oula grand Gibson ça. Là on est dans une grosse dégueulasserie. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on va dire ici? Vous voyez là l'espèce de ternaire que j'avais, c'est un peu ça qu'on va faire. C'est un peu ça qu'on va faire. C'est-à-dire que on va regarder la solution. Sinon je vais pas réussir à le coder quoi. De toute façon il est quoi? Il est codé dans Syrah 1 normalement. Hein. Attendez. Si je mets Syrah.c. Eh oui, comme j'avais codé. comme j'avais codé vendredi. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ça commence par afficher i, donc avec %d espace, petit i. Juste derrière, il y a le point virgule, et là, il y a la ternaire. La ternaire qui est ici, elle porte sur i-1. Alors rappelez-vous, moi j'avais fait ça. J'avais fait i modulo 2. Et voir, en fait ici, non. J'avais fait while i différent de 1. Mais while i différent de 1, c'est-à-dire est-ce que i vaut 1 ? La manière la plus simple de savoir si i vaut 1, c'est de faire i-1. Pourquoi? Parce que si i vaut 1, 1-1 fait 0. Mais 0, c'est le booléen faux. Alors que non nul est le booléen vrai. Voilà, donc ça, c'est la manière la plus simple de tester si i vaut 1. Ça se fait en 1, 2, 3 caractères. Voilà, point d'interrogation, c'est un if. Donc, si i vaut 1, non, si c'est vrai. Alors, c'est vrai si i est différent de 1. Parce que tout ce qui est différent de 0 est vrai. Donc, si il ne vaut pas 1, je fais un appel récursif sur le main. Mais qu'est-ce que je fais comme appel récursif? Je regarde si i modulo 2 est impair. Si c'est le cas, je multiplie par 3 et j'ajoute 1. Sinon, je divise par 2. Donc ça, c'est exactement la ternaire que j'avais là-haut. Mais à part que là, elle est en plus, il n'y a pas de parenthèse ici. Donc c'est dégueulasse. Et puis voilà, il y a encore moins de caractères. Donc ça, c'est si i est différent de 1, ça fait l'appel des récursifs. Si i vaut 1, ce 0 point virgule, c'est pour dire ne fais rien. Ah. Si i vaut 1, c'est fini. Sinon, main récursif. Incroyable. Voilà, donc on est super content, on enregistre ça, on quitte. Et puis on a envie de savoir GCC, insulte-moi tant que tu peux. Voilà, donc là il y a quand même des insultes. Hein. Voilà. Donc première insulte, là ici. On n'a pas dit ce que main retournait. On a enlevé le type de retour de main. Et bien il dit, oui, donc tu as oublié de dire ce que main retournait. Par défaut, je pars du principe que comme tu ne me l'as pas dit, et ben ton programme main retourne un entier. Ok ? Implicite déclaration aux fonctions printf. Ah oui, on a oublié de mettre dièse include stdio. C'est pas grave, il fait un warning, mais il le trouve quand même. Là, on a un autre warning, c'est il y a une mauvaise implicite déclaration. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est toujours printf, il n'est pas content. Et il me dit une petite note. Au fait, il serait bien que tu inclues stdio, mais en fait, je te l'ai quand même mis. même si toi, tu ne l'as pas écrit dans ton programme.
Et là, il y a un dernier petit warning qui dit quoi? Control reach end of function. Voilà, bah oui. Il a dit que par défaut, si je disais pas ce que main retournait, il fallait retourner un int. Mais moi, j'ai pas dit que je retournais un int, donc il est pas très content. Ce sont des warnings. Ça a compilé. C'est-à-dire que là, mon programme poète est fonctionnel. Donc je sais pas, si je mets 27. Ah. Alors si je mets 27, il fait ça. Oui, parce que là, j'ai pas mis un atoi de argv crochet 1. En fait, ici, j'ai mis main i. Donc la question, c'est quoi i? Eh bien, i, c'est le nombre d'arguments. Donc là, si par exemple, celui-là, le 0, il va compter pour 1. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mais oui, je lui donne 27 arguments. Alors là, j'ai mis 27 arguments, j'aurais pu, je sais pas, en fait, on se fout des noms. Hein, voilà, là, pop, 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 voilà, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que le programme, ce programme-là, dégueulasse à souhait, voilà, il est magnifique. Son petit i, c'est le nombre d'arguments dans lequel on compte le point slash le programme. C'est-à-dire, par défaut, il retourne un int si on n'a rien dit, et par défaut, si on dit rien, ben son seul argument, c'est le nombre d'arguments. Voilà, donc c'est immonde, c'est dégueulasse, mais ça fonctionne, ça marche. Alors, globalement, on s'était cassé la tête avec l'ami Grégory Châtel à l'époque pour écrire ça, pour l'optimiser, pour le fendre en deux, voilà. Ça demande de connaître beaucoup du langage C pour réussir à faire des conneries pareilles. C'est-à-dire qu'entre guillemets, faire des bêtises, c'est aussi prendre des niveaux et prendre des pecs, des petits points d'expérience comme on les aime. Ah, c'est incroyable. Mais oui, mais ça doit être le même qu'il y a ici. Voilà, il est ici. Vous avez les messages d'insultes. Là, vous avez un test pour 7. Alors 0, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, mais c'est bien sûr. Il y a 7 arguments. Voilà, c'est dégueulasse à souhait. Mais ça fonctionne. C'était le challenge Syracuse. Écrire un programme C avec un minimum de caractères. Alors, si vous allez sur Coding Game, sur quelques plateformes de jeux de programmation en ligne, souvent ça s'appelle des codes golf. C'est-à-dire vraiment le challenge de faire le moins de char possible pour résoudre un petit problème algorithmique. C'est bon, c'est fin. Ça se mange sans fin. Voilà. Ah, le scope des variables en Python. Est-ce que je vais pas passer ça? Alors, je vais passer ça parce que ça demande à la fois de connaître les listes compréhension et les lambdas. Et malheureusement, vous connaissez ni l'une ni l'autre. Alors, bon, si vous connaissez, vous pouvez regarder. Il se passe un truc qui est assez incroyable, qui se corrige de manière assez incroyable aussi. Voilà, la correction est dégueulasse, mais bon, ça fonctionne. Ouais, on fait, vous êtes pas assez de Python pour apprécier ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, encore quelque chose. Donc là, je vais parler un petit peu quand même du multithreading avec une bibliothèque ici OpenMP. Ça remonte à... j'avais travaillé avec un collègue, hein, pour pas le nommer, le sieur Florent Hiver, qui avait parallélisé de mes algorithmes. Et il avait utilisé un truc qui s'appelait Silk Plus. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que Silk Plus? Il m'a dit, écoute, Silk Plus, il a commencé par me dire, est-ce que tu as un processeur i5 ou i7 de telle génération? Il a dit, écoute, calmez-vous, oui, peut-être, oui. Il a dit, bah écoute, il y a Intel qui a fait Silk Plus. Donc Silk Plus de Intel, c'était quelque chose pour écrire très facilement des programmes C multithreadés. C'est-à-dire, si on avait, entre guillemets, 4 cœurs dans son i5 ou son i7, maintenant son i3 aussi, enfin bon, la plupart des... Je sais pas laquelle génération c'était, mais bon. Ça permettait d'écrire très facilement des programmes multithreadés en C. Le multithreading en C, vous en ferez peut-être l'année prochaine en proc system. C'est abominable. Là, les pcthread create, c'est dégueulasse. C'est un truc, mais on n'a vraiment pas envie d'écrire ça. On sait que ça fonctionne, on peut le faire si on veut. Il faut lire énormément de documentation, c'est très exigeant, c'est très difficile. C'est vraiment les primitives du multithreading.
les utiliser efficacement dans des programmes, ça demande une habileté assez incroyable. Silk Plus, ça permettait de rendre des codes parallélisables, mais à la vitesse de la lumière. Il suffisait de rajouter deux, trois petits trucs, hein, de dire spawn à deux, trois endroits pour suggérer à votre programme d'utiliser un autre cœur si un autre cœur était disponible. Donc c'était une extension, voilà. Et qu'est-ce que je me regarde l'année dernière quand je fais le slide? Bah, j'arrive sur cette page web et je vois ça. Je me dis, attendez, je vais leur montrer, sachant que j'ai fait utiliser Subprocess aux élèves. Ils ont fait une bibliothèque Python d'un programme qui permet de lancer d'autres programmes. Je me suis dit, est-ce que je ne peux pas leur présenter une techno pour faire des programmes multithreadés alors qu'ils sont à peine en L2? Oui, Silk Plus, c'était suffisamment simple pour ça. Et là, je me dis, bah mince, je ne vais pas pouvoir leur présenter Silk Plus parce que bah, c'est déjà trop vieux. C'est déjà trop vieux. Le truc a été créé en 2013 ou 2014, un truc comme ça. Enfin, c'est dans ces eaux-là. Et ça a duré moins de 10 ans. Par contre, ils disent, mais ne vous inquiétez pas. Maintenant, il faut aller voir OpenMP. OpenMP, c'est vachement bien. Bon, donc OpenMP, hein, Wikipédiax, hein. Je veux dire, voilà, c'est quand on est mauvais comme moi, bah, et on va lire et on va essayer de regarder. Et là, je vois OpenMP, donc Open Multiprocessing est une interface de programmation pour le calcul parallèle. Donc c'est exactement ce que fait Silk Plus, mais en mieux. Alors déjà, première chose qui m'a scotché. Il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit. C'est inclus dans GCC à partir de la version 4 points je sais plus quoi. Enfin bon, c'est inclus dans GCC. J'ai même pas eu besoin de faire un sudo apt-get install. Ah, donc là, j'ai la page en français. Ah là là, elle m'a l'air quand même un peu, oui. C'est à partir de GCC 4.3 là qu'ils disent. Donc quelque part, nickel, il n'y a rien besoin d'installer. On va aller sur la page anglais, parce que la page anglaise. Elle va avoir, elle va être en anglais, mais la plupart du temps, est-ce qu'il y a un exemple? Eh oui, il y a un exemple. Non, ça c'est. Ah, mais là c'est. Oui, ok. Ok, oui. Là il y a un exemple, mais l'exemple n'est pas très parlant. Là il y a un vrai exemple. C'est une boucle for qui globalement, eh ben, si elle va tourner, oulala, c'est une boucle for qui est censée faire 100 000 tours. Et eh ben là, si vous avez 8 processeurs, vous pouvez l'accélérer en mode 8 fois plus vite. Voilà. Parce que là, vous allez utiliser les 8 cœurs en même temps. Donc ça, c'est un vrai exemple. Comment on fait du multiprocessing? En rajoutant des dièse pragma OMP. Alors là, il n'y a pas de pthreads create, il n'y a pas de. Parce que faire un programme multiprocessé avec pthreads create, là, c'est très rapidement, on va très rapidement atteindre 20 lignes, 30 lignes, 50 lignes de code. Là, ça c'est un exemple qui fait déjà du multiprocessing en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le reste, c'est des accolades ou des lignes vides. En 6 lignes, un programme qui utilise plusieurs cœurs. Donc là, c'est là où on se dit, ah bah en fait, OpenMP, c'est bon pour les malins, quoi. Voilà. Voilà. Bah, j'ai fait cette même expérience. Alors comment j'ai fait cette même expérience? Vous le ferez en début de M1, en concurrence et entrée-sortie. La première chose qu'on fait, c'est I++. Il est ici, là. CMP++. Alors pourquoi on fait I++? Parce que I++, si vous le faites sur plusieurs cœurs, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Alors, il faut mettre ses doigts au bon endroit. I++, ça demande trois actions. Ça demande de lire, de calculer le plus 1 et d'écrire. Donc quand je fais CMP++, je lis CMP. CMP vaut 0. Je calcule 0 plus 1 qui fait 1. Et j'écris j'overwrite en écrivant 1 sur CMP. Donc ça demande trois actions I++. Maintenant j'imagine que j'ai un deuxième thread qui partage la même variable CMP. C'est-à-dire que lui aussi il a le droit de la lire. Et vous imaginez que au lieu qu'il le fasse comme ça, ils vont le faire comme ça. C'est-à-dire que premier temps du quartz, le pros 1 lit CMP qui vaut 10. Deuxième temps du quartz, il y en a un qui calcule 0 plus 1 qui vaut. Alors, j'ai dit qu'il valait 10. Pourquoi j'ai dit qu'il valait 10? On va dire qu'il vaut 0. Donc, il vaut 0. Je calcule 0 plus 1, ça fait 1. L'autre est en train de lire la variable. Mais la variable vaut toujours 0. Maintenant, j'arrive au suivant, là. Il faut savoir bouger ses doigts, c'est dur pour moi. D'un côté, il y en a un qui vient de calculer 1, qui a envie d'écrire 1.
Et l'autre, il vient de lire 0, il va calculer 0 plus 1. Et ensuite, donc l'autre, il vient d'écraser la valeur qui maintenant vaut 1. Et là, juste derrière, il y a le deuxième thread qui réécrase le 1 avec un 1. Donc en fait, j'ai fait deux fois un truc plus plus, mais en fait, je l'ai modifié. En fait, je vais juste ajouter 1. C'est-à-dire qu'entre guillemets, quand on fait CMP++, la bonne technique pour faire, c'est qu'il faut absolument décaler les choses suffisamment pour que les processeurs, les threads ne se marchent pas les uns sur les autres. Il ne faut pas que les actions se mélangent comme ça. Il faut dire, OK, je fais une lecture et comme je vais modifier bientôt CMP, pendant ce laps de temps, plus personne n'a le droit de passer à l'action. Vous attendez que j'ai fini. Et ben, c'est ça le programme que j'avais envie de faire. Donc j'ai fait ce programme. Voilà, là, ça ressemble beaucoup au truc d'Internet. Hein, il y a du copy-paste dans l'air. Hein. Dies pragma OMP parallèle fort. Je veux faire 10 fois C++. Voilà, CMP++. Et là, j'ai copié-collé un truc qui s'appelait OMP get pour afficher le numéro du thread qui passe à l'action. Voilà. Donc j'exécute cette chose-là. Alors, avec mon ordinateur, sans rien installer, avec juste le drapeau moins F OpenMP. Rappelez-vous, pour la libMLV, on faisait du moins L MLV. Là, c'est moins F OpenMP. Pourquoi pas? Voilà, donc bah, j'ai bien lu la doc. Hein. Je fais mon exemple, j'exécute. Il me dit que le thread 0 passe à l'action, le thread 0 passe à l'action, le thread 1, le thread 1, le thread 2. Donc là, c'est un peu particulier. On a l'impression que bah, il y a quand même bien 8 threads qui sont passés à l'action. Il y a le 0 et le 1 qui ont travaillé deux fois. Sachant que moi j'ai un i7 qui a 4 cœurs physiques qui sont chacun multithreadés deux fois. Donc il y a bien 8 threads qu'on peut potentiellement exécuter en même temps. Et là, si je regarde à la fin, CMP vaut 6. Alors si CMP vaut 6, je ne vous cache pas que le truc là comme ça. Ils n'ont pas tous été les uns derrière les autres. Il y en a qui sont chevauchés de manière dégueulasse. Parce qu'il y en a 4 qui sont passés à la trappe sur les 10. Hein. Ben voilà, ça devait arriver. Donc là, c'est exactement pourquoi il est difficile de faire des programmes multithreadés qui fonctionnent correctement. Parce que quand plusieurs threads partagent la même mémoire, vous avez intérêt à avoir des fonctions réentrantes, des choses un peu plus robustes, des choses un peu plus safe, parce qu'on ne peut plus faire n'importe quoi. Donc voilà, j'avais parlé des verrous, que quand on ouvre un fichier, on met un verrou. Quand on enregistre un fichier, il y a aussi un verrou. C'est-à-dire que le système dit, OK, vous avez le droit de partager la mémoire, mais il y a des moments, il y a des choses qui sont protégées, durant lesquelles on fait des pauses. Voilà. Et vous entendrez parler des sémaphores en concurrence et entrée-sortie, notamment. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut pour sécuriser ce code qui était mauvais? Eh bien, sur Internet, ils disent qu'il faut définir une instruction critique. Comment je définis une instruction critique? C'est dies pragma OMP critical. Donc ce CMP++, comme il est désigné comme critique, il n'y a qu'un seul thread qui peut l'exécuter à la fois. Donc voilà, il suffisait de lire la doc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire en à peu près une demi-heure. Voilà, alors, globalement, je suis content. Hein. La première fois que j'ai fait du Silk Plus, ça m'a bien pris 2h30, 3h, avec Florent Hivert à côté qui essaye de m'expliquer parce que je suis un informaticien de niveau 1 et lui de niveau 10. Voilà. Mais je veux dire, clairement, quand on prend l'habitude d'utiliser ce genre de framework, et ben c'est ça l'intérêt d'avoir fait du système. C'est que si vous prenez l'habitude, quand vous allez faire la énième expérience, elle va aller beaucoup plus vite que la première, la deuxième, etc. Donc ici, ce dies pragma OMP critical, ça déclare l'incrémentation plus plus comme zone critique, et donc les threads doivent faire la queue. Donc vous réexécutez, et au final, bah, ça vaudra bien 10 et pas autre chose. Voilà, donc mais oui, mais là, les conclusions, voilà. J'ai découvert OMP, OpenMP, 2 heures avant d'écrire le slide, à peu près, oui. Et oui, incroyable, il y a toutes les histoires là. Alors quand on a des notions de système, on apprend à faire un prototype en quelques minutes. Mais oui, mais je ne le répéterai jamais assez. Il faut jouer et s'amuser. Tester des technos, c'est toujours faire des petits tutos, je sais pas, le tutoriel Django, le tutoriel, il y a plein de tutos. Quand vous le faites une fois, vous mettez une corde à votre arc. Vous n'allez pas devenir spécialiste. Vous allez dire, OK, je sais comment ils ont designé leur truc et comment ça a vocation à être utilisé. Vous n'êtes pas un expert. Vous avez enrichi votre culture générale sur comment fonctionne tel techno.
Voilà, et c'est toujours important ça. Voilà, donc effectivement, il n'y avait rien à installer. C'est ce qui est marqué là sur le quatrième point. En informatique, il est plus important d'apprendre à apprendre que de savoir. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, moi je sais tout à l'instant T, voilà, Silk Plus, c'est une techno qui a duré moins de 10 ans. Oui, mais bon, ça veut dire que, entre guillemets, si vous voulez être à la page sur cette techno, c'est formation continue non-stop, hein. Si vous n'êtes pas curieux, vous êtes limité. Et il y a un moment, vous allez vous essouffler. Alors, je veux dire, les bons vieux développeurs PHP, aujourd'hui, on est en train de leur dire, oui, tu comprends, on peut pas trop s'en passer de PHP, mais on est quand même en train de tout faire d'un point de vue techno pour faire en sorte qu'on l'utilise plus. Avec le chat qui miaule à la porte, incroyable. Alors, comment on place les parenthèses? Ah, alors celui-là, il va vous plaire, celui-là. Ah, celui-là, on va vous plaire, là. Ah, il est magnifique, hein. Ah, celui-là, en plus, celui-là, vous pouvez le comprendre, hein. Celui-là, un petit python, là, un petit python, là. Voilà. Oh là 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 là, celui-là, il est trop bon. Bon, alors, le problème, c'est ça, je sais pas dans quel ordre il exécute. Voilà. Je sais pas dans quel ordre il exécute ça. Alors, je me suis demandé, il exécute peut-être le égal égal en premier. S'il exécute égal égal en premier, ça fait false. Ok. Qu'est-ce qui se passe s'il exécute le égal égal, donc le in en premier? Voilà. Ça fait false, hein, parce que false égale égale false, ça c'est vrai, et vrai dans la liste qui contient false, vrai n'est pas dans la liste qui contient false. Alors là, ici, j'ai false in false. Donc false, il est bien dans la liste qui contient false, donc ça c'est vrai, mais false égale égale vrai, c'est faux. Ok. Donc, lequel des deux il va faire? On s'autorise à penser dans les milieux autorisés que peut-être un accord. Alors là c'est incroyable là. Donc bug en feature là. Là on vient de trouver un bug dans Python 3 quand même. Bon, on fait un papier là, on l'écrit. Bon, non, 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 non. Non. Dites-vous, vous allez peut-être découvrir un bug hein, dans votre vie, dans un truc aussi gros que Python. Mais ce jour n'est pas arrivé. En tout cas, pas aujourd'hui. Mais ce jour. Bon, alors, là, ici, effectivement, c'est feature. C'est pas bug. Simplement, il faut comprendre les choses. Ici, en fait, pourquoi il y a un bug? Parce que je vous ai montré cette ligne. Ensuite, je vous ai montré cette ligne. Et je vous ai montré cette troisième ligne à la suite. Mais cette troisième ligne n'a rien à voir avec les deux précédentes. Elle n'a mais rien à voir. Cette ligne, elle est à comparer avec cette notation mathématique. Quand vous dites x est compris entre 1 et 2, vous allez dire, mais ça, monsieur, c'est équivalent à dire que, eh ben, en fait, x, il est plus grand que 1, et x, bah, il est strictement plus petit que 2. Bah, c'est exactement ce que fait Python. Python, il fait exactement ça. Voilà. Donc, je vais le mettre en commentaire. Voilà, un petit commentaire. Voilà. Python fait exactement ça. C'est-à-dire, quand je lui fais exécuter ça, il dit, ok, tu es en train de me dire objet, test booléen, un autre objet, test booléen, un autre objet. Ben, il dit, mais moi, quand je vais exécuter ça, je vais exactement faire ton premier objet, ton premier test, l'objet du milieu, et ben, ton objet du milieu, ton deuxième test et ton troisième objet. C'est-à-dire, entre guillemets, là, je suis en train d'écrire exactement ce que j'ai noté ici. C'est exactement ça. Et effectivement, celui-là vaut bien trop. C'est-à-dire, entre guillemets, qu'est-ce qui induit en erreur? Ce qui induit en erreur, c'est de montrer ça, de montrer ça, et ensuite de montrer ça. Mais cette dernière ligne n'a rien à voir avec les deux précédentes. Les deux précédentes, ce sont des tests simples à chaque fois. Là, c'est un test avec deux conditions. Et un test, quand il a deux conditions, ça veut dire que les deux doivent être vérifiés et qu'on va mettre un et entre les deux. Exactement comme une notation mathématique, 1 est compris, x est compris entre 1 et 2. Donc en fait, c'est pas du tout bug, c'est feature. Et globalement, le langage Python, il est très répandu dans les milieux mathématiques et dans l'enseignement parce qu'il ressemble vraiment à comment on écrit des maths au tableau. Souvent, il y a beaucoup de choses en Python qui s'écrivent comme elles se prononcent.
Donc c'est pas du tout bug, hein. C'est complètement feature. C'est feature, simplement, bah voilà, il faut savoir le lire correctement. Là, comment il se lit? Bah, il se lit en disant que objet 1, test 1, objet 2, test 2, objet 3, c'est complètement équivalent à un premier test, le test 1 entre objet 1 et objet 2. Et là, objet 2 s'est dédoublé. C'est-à-dire l'objet 2 qui est ici, eh ben, on en met une copie à gauche et une copie à droite. Et entre les deux, on met un et. Exactement comme on fait mathématiquement. Donc ça surprend, mais en fait pas du tout. Et encore une fois, c'est voilà, le piège était juste de montrer les versions parenthésées à côté. Elles n'ont rien à voir avec la version non parenthésée. Voilà, mais oui, mais c'est bien sûr. Bah oui, bah quand on a la chute tout de suite, hein, c'est vachement plus simple. Hein. Qu'est-ce que c'est que c'est cette fault cachée là? Oh là là, c'est fault cachée. Après déjà presque 1h10 de bêtises. Alors là, c'est fault cachée. On va aller rapidement, ça. Faut que j'accélère, hein, parce qu'à chaque fois, moi je pourrais parler des énigmes du tonton Bori toute la journée. Ici, bon, vous avez une fonction. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle met en majuscule. C'est-à-dire, c'est une fonction qui prend en argument une chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères, par définition, ça se termine par anti/0. Et qu'est-ce que ça fait? Et ben ça regarde chaque lettre. Et si une lettre est une lettre minuscule, et ben ça transforme la lettre en lettre majuscule. Comment est opérée la transformation de la lettre minuscule en majuscule? Par une translation de vecteur, donc A moins A minuscule. Voilà. Donc vous pourriez dire, monsieur, moi je suis une star de l'ASCII, donc je sais qu'en fait A minuscule c'est 97, que A majuscule ça doit être 65, et donc bah là on fait 65 moins 97, et ça fait une valeur négative, qui est la translation qui transforme les minuscules en majuscules. Oui, si vous voulez, mais on retiendra que c'est une translation de vecteur grand A moins petit a. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est tout, hein. C'est la formule d'une translation, hein. C'est renseignez-vous, qui disait. Donc, print before after, qu'est-ce que ça fait? Ça prend un argument, une chaîne de caractères, ça affiche la chaîne donc avant, ça met tout en majuscule et ça affiche la chaîne après. Ok? Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on déclare une chaîne ici et puis on appelle print before after et on return 0. Très bien. Très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'il a comme problème, comme ce programme? GCC moins haut poète, moins wall, moins NSI, moins pédantique. Donc là, niveau d'insulte maximum. Nous sommes donc sur du code de qualité Girodo. Voilà. Donc là, c'est qualité maximum. Voilà. Donc point slash poète, mélange, erreur de segmentation. Ah. Donc il a exécuté le premier printf là. Voilà. Et puis, il n'est pas allé plus loin. Et là, même si la sortie standard est bufferisée, là, je veux dire, il s'est arrêté, on ne sait pas trop où, hein, il s'est arrêté quelque part par là. Bon, bah, où est l'erreur de programmation? Vous pourrez chercher tout ce que vous voulez, cette fonction est correcte. Cette fonction est complètement correcte. L'erreur de programmation, en fait, elle est ici. L'erreur de programmation, elle est même là. C'est que quand vous déclarez un char étoile S égale double côte, je dis bien char étoile S égale double côte, vous êtes en train de déclarer une chaîne statique qui va se retrouver dans la partie en read-only du processus. Parce que quand à la compilation, GCC voit un littéral comme ça, il se dit, mais une chaîne constante, il faut absolument optimiser. Qu'est-ce que je vais faire pour optimiser? Bah, cette chaîne, je vais la stocker en dur dans la partie BSS du processus. Bah, c'est ce que fait char étoile S égale double côte. Ici, comment j'enlève ce bug? Vous pouvez, une des manières d'enlever ce bug, c'est d'enlever l'étoile et de mettre crochet 50. Vous mettez, à la place de l'étoile, vous mettez crochet 50 et ce programme fonctionne. Parce que si je mets crochet 50, il va bien y avoir en variable locale de la place mémoire pour 50 chars sur la pile d'exécution. Et cette place pour 50 chars, elle, j'aurai le droit et de la lire et de la modifier. Par contre, si je fais char étoile S égale double côte, ça va être un littéral constant dans la zone BSS de mon processus. Donc voilà, ici, la segfault, ça peut être... Parce que là, c'est hyper énervant. Hein. Là, quand vous, si vous avez oublié ce détail technique
de la zone mémoire en read only à l'intérieur d'un processus, vous avez les élèves qui peuvent s'énerver pendant une demi-heure à dire « Elle est où l'erreur ? Elle est où l'erreur ? Elle est où l'erreur ?» Mais cette fonction est correcte ici. Upper char va très bien. L'erreur ici, c'est pas du tout marqué dessus, parce que je vous rappelle qu'on compile avec une qualité Monsieur Giraudeau. L'erreur, ce code va très bien. L'erreur, c'est qu'on n'a pas le droit de donner un littéral à une fonction qui a vocation à modifier la chaîne de caractères. On peut donner ce littéral à une sous-fonction, mais on a le droit de faire que de la lecture. C'est-à-dire qu'à la première écriture, c'est-à-dire qu'est-ce qui va s'écfolter, c'est ce signe égal. Le signe égal, c'est que dès que ici vous avez un E minuscule, ce E minuscule, il doit être transformé en majuscule. Et lorsque j'essaye d'écraser la valeur de E minuscule par un E majuscule, j'essaye non pas de faire une lecture, mais une écriture mémoire dans une zone en read-only. Et là, le système dit, je me protège, je te segfault, tu n'as pas le droit de faire ça. Voilà, donc ça c'est segfault caché qui peut faire très mal. Hein. C'est pour ça aussi que voilà, c'est technique, c'est pénible un peu le système, mais je vous assure que quand vous êtes devant des bugs inextricables dans vos programmes C, vous êtes content de savoir ce qui est un peu sous le capot. Hein. Je le dis tout de suite, moi. Hein. Voilà. Monsieur, je vous jure, ça marchait à Clément Ader. Ah là, ce détail, encore une fois. Donc là, ici, l'année a de l'importance. C'est ce fameux Grégory Châtel qui nous balance des awareness à longueur de journée. Donc là, ça c'est un truc que on avait été scotché quand même. On était dans le bureau, dans le même bureau avec le sieur Châtel, et on avait chacun un TP avec Monsieur Giraudeau qui donne le cours. Déjà en 2012-2013, il donnait les cours de perfectionnement proxé. Ça s'appelait proxé 3 et proxé 4 à l'époque. Et moi, j'étais un petit chargé de TD avec Monsieur Châtel. On était encadré, conseillé par le sieur Giraudeau. On avait ce fameux TP qui s'appelait le Chomp, qu'il fallait coder donc une sorte de tablette de chocolat, donc un tableau à deux dimensions, dans lequel le jeu se joue à deux joueurs. Au tour par tour, tous les joueurs doivent manger des carrés de chocolat, mais le dernier carré de chocolat est empoisonné. Donc le joueur qui le mange, qui est obligé de le manger, va perdre. Et effectivement, on fait tout pour pas le manger, mais en fait, le problème est assez compliqué, parce que vous êtes obligé de manger tous les tours. Et quand vous mangez un carré de chocolat, vous mangez toute son ombre. C'est-à-dire tous ceux qui sont en dessous et à droite, par exemple. Alors le fait de manger toute l'ombre du carré, c'est... Vous pouvez manger un grand nombre de carrés d'un coup, ou vous pouvez laisser durer le plaisir, enfin, tout est possible. Et la combinatoire de ce problème n'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que même si c'est un problème résolu, c'est pas si simple que ça. Bon, quoi qu'il arrive, s'il faut le programmer en C, en libmlv avec une interface graphique, il va falloir faire une allocation à deux dimensions, parce qu'on ne connaît pas la taille de la tablette de chocolat a priori. C'est-à-dire que l'utilisateur dit « je veux une tablette 30 par 22 ». Bah, s'il veut une tablette 30 par 22, il faut allouer un tableau rectangulaire 30 par 22. Donc ici, le but, c'est d'allouer un plateau de n par m. Donc on peut imaginer une tablette de chocolat de n par m. Et il y a un élève qui avait ce code-là dans son code source. Et puis, Monsieur Châtel, il le télécharge depuis Moodle. Il le met sur son ordinateur personnel. Il compile et l'exécute. Il a segfault d'entrée de jeu. Donc quand on a segfault d'entrée de jeu sur quelque chose qu'un élève a mis deux semaines à faire et vous dit dans son rapport « ça fonctionne très bien, tout va bien », dites « là, tu te payes ma tête, là ». Donc il envoie un petit mail à l'élève « oui, j'ai lu votre rapport, tout va très bien, en l'occurrence, moi, j'ai du mal à mettre autre chose que zéro parce que j'arrive même pas à le lancer, ça compile pas, j'ai segfault d'entrée de jeu, c'est dégueulasse ». Voilà. Et là, l'élève ne se démonte pas. Il lui dit « Non, mais je vous assure, là, je suis à Clément Ader. J'ai eu le doute parce que vous m'avez renvoyé un mail, mais mon projet marche très bien. Hein. Je suis en salle 104. Là, je le teste en ce moment. Exactement ce que je vous ai envoyé par mail, ça fonctionne. » Ah, donc là, on est tous un peu scotchés. Donc là, on s'interroge. Et alors, c'est Monsieur Châtel hein, qui a trouvé... Moi, je ne l'ai pas vu hein, au début. Hein, c'est parce que là, je vous montre... Là c'est... Dites-vous que le code, il faisait 1000 lignes. Hein. Là, on voit juste une fonction. On voit juste une fonction, et je viens de vous dire que l'erreur est là-dedans. Donc, c'est un peu plus simple. Mais de manière générale, quand vous avez 1000 lignes de code, et qu'en fait, l'erreur, elle est tout simplement ici. Oui, oui, oui. Eh ben, c'est pas facile. Alors ici, il manque une étoile. Il manque une étoile, et à cause de ça,
Ça marche à Clément Ader, mais ça ne marche pas sur les autres ordinateurs. Alors pourquoi ça marche à Clément Ader et pas sur les autres ordinateurs? Parce qu'en 2012-2013, c'est la dernière année où sur les ordinateurs de l'université, il y avait encore des processeurs en 32 bits. Et comme il y avait des ordinateurs qui n'avaient que des processeurs 32 bits qui ne supportaient pas le 64 bits, les comptes étudiants étaient sur une Debian en 32 bits. Donc entre guillemets, quand les étudiants faisaient des programmes C, la taille d'un pointeur, c'était 4, c'est-à-dire 4 fois 8, 32. Donc les pointeurs avaient pour taille 4 octets, et 4 octets, ça veut dire que les adresses étaient sur 32 bits. Donc 32 bits, c'est-à-dire tous les pointeurs, c'est-à-dire size of void d'étoile, valaient 4. Mais size of int, ça vaut aussi 4. Donc ici, comme sur un ordinateur 32 bits, size of int est égal à size of int étoile, ce code va fonctionner sur un ordinateur dont le système d'exploitation est en 32 bits. Par contre, si vous êtes sur une architecture 64 bits avec un système d'exploitation installé en 64 bits, ici, il va vraiment manquer l'étoile. Parce que les pointeurs en 64 bits, ben, size of void d'étoile va valoir 8. Et toutes les adresses vont faire 8 octets, donc 64 bits. Et donc là, ben, qu'est-ce qui se passait? C'est bien une erreur de programmation. C'est une erreur de programmation qui vient de l'élève. L'élève aurait dû mettre une étoile. Et c'est pour ça qu'on vous force à caster vos mallocs. Parce que normalement, on perd une étoile entre le size of et le cast. Et quand on fait une allocation en dynamique à deux dimensions, on perd une étoile lorsqu'on s'imbrique dans des boucles fortes. Donc dites-vous que si vous aviez fait une allocation à dynamique à trois dimensions, il y aurait tout d'abord deux étoiles, trois étoiles, il y aurait tout d'abord donc deux étoiles dans le premier malloc et trois dans le cast. Ensuite, il y aurait eu une étoile dans le premier fort et deux étoiles dans le cast. Et il y en aurait eu zéro tout au bout, et il y en aurait une ici. Voilà. Ici, comme je suis à deux dimensions et pas à trois dimensions, j'ai deux étoiles ici, une ici, j'en perds une ici, donc je passe de 1 à 0, j'en perds une ici, voilà. Voilà, c'est comme ça que ça marche, hein, je veux dire, voilà, c'est rigide. C'est-à-dire, si vous suivez les règles, vous ne pouvez pas vous tromper normalement. Bah là, en l'occurrence, s'il manque l'étoile, voici un code qui va fonctionner sur machine 32 bits, mais qui ne fonctionnera pas sur machine 64 bits. Donc, oubliez une étoile, fabrique un code qui va devenir, bah, ici, machine dépendant. Et donc, bah, c'est d'une tristesse incroyable. Hein. Enfin bon, je pense que bon, voilà, l'étudiant a perdu un point pour le coup, mais le fait, il a bien fait de justifier, là, en l'occurrence, parce que, alors là, par contre, bravo à M. Châtel d'avoir vu ça rapidement, parce que quand on est dans 1000 lignes de code, aller choper un truc pareil, je vous promets qu'il y a, voilà, moi je connais des enseignants un peu plus fainéants, je ne me citerai pas, où j'aurais give up un peu plus vite en disant ça marche pas, allez revoir. Bon, alors, non, mais calmez-vous, les machines de l'université font foi. Voilà. Alors, création spontanée, qu'est-ce que nous avons dans cette création spontanée? Nous avons quoi? Alors là, c'est des pointeurs encore. C'est du Python, mais c'est des pointeurs. Voilà. Donc, on commence par définir une liste, la liste qui contient 1, et on la multiplie par 4. Oui, ça fait 4 fois 1. Super. OK? Maintenant, je multiplie non pas la liste qui contient 1, mais je multiplie une liste qui contient un seul élément. Donc là, en fait, c'est L crochet 0. L crochet 0, c'est celui-là. Je le multiplie par 4. Mais quand je fais ça, ben, le truc, c'est que j'ai multiplié 4 fois la même adresse. Ouh, incroyable. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai multiplié 4 fois cette même adresse? J'ajoute 1. Donc là, j'ai 4 fois le même élément, mais là, ce n'est pas le même élément. Là, c'en est un différent. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute 2 au crochet 0? Eh bien, j'ai rajouté 1, 2, 3, 4 fois 2. Alors, vous allez dire, mais monsieur, on a demandé de rajouter 2 que dans la première. Eh oui, mais ce sont toutes les mêmes. Ce sont toutes les mêmes parce que se multiplier par 4, ça n'a pas fait de copie. Ça n'a pas fait de copie profonde. Ça a juste multiplié le premier élément 4 fois. Et si le premier élément était une adresse, eh ben ça a copié 4 fois la même adresse. Donc ici, on a peut-être l'impression qu'on ajoute une seule fois l'entier 2 à la première sous-liste de la liste grand L. Ben c'est faux. On l'ajoute 4 fois.
Parce qu'en fait, les quatre premiers éléments de Grand L sont les mêmes. Voilà, donc ça, c'est quelque chose. Alors, comment on peut voir? Là, c'est récemment, je m'amusais avec des choses un peu dégoulasses, là. Voilà, vous avez la même chose si vous commencez à faire des choses récursives. Ouais. 1, 2, 3, 4. Voici une liste L. Oui, elle est très jolie. Je décide que le premier élément de L, c'est elle-même. Alors là, je suis en train de dire que je veux remplacer, là je vais faire un dessin, hein, je veux remplacer le 1 par la liste elle-même. Ah, le serpent se mord la queue d'entrée de jeu. Bon, allons-y. Non. Et ton premier élément, c'est qui? Ah bah. Et le premier élément de ton premier élément? Et le premier élément de ton premier élément? Et si j'en mets plein, et ça peut durer longtemps, incroyable. La liste, le pointeur, vous imaginez, c'est l'arbre où, au bout d'un moment, vous avez une feuille qui va pointer vers la racine. Mais qu'est-ce qui vous interdit à faire ça? Bah rien. Python sait le faire. Voilà. Python, j'ai le droit de dire, le premier élément de la liste est la liste elle-même. Je viens de définir un objet récursif. Mais pourquoi pas? Maintenant, imaginons que j'en fasse une copie. Voilà, je vais aller chercher copie là. Il me porte copie. Voilà. Copie. Copie.copie. Copie.copie. Voilà, donc je vais faire M. Je vais dire que c'est une copie de L. Donc si je fais une copie, ça va pas être les mêmes éléments en mémoire. Hein. C'est-à-dire je vais avoir une copie, ça va ressembler à L, mais ça va s'appeler M. Ok. Donc si je demande l'idée de M, voilà, l'idée de L, voilà, bah, sont pas les mêmes. Voilà, c'est pas les mêmes. Voilà. Voilà. Je demande à M, mais tu ressembles à quoi M? Mais là, c'est bien sûr. Mais là, c'est bien sûr. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, en fait, ici, vous avez un nouveau dessin, entre guillemets. Vous avez M. Comme c'est une copie de L, bah, ça pointe vers L. Voilà. Mais L, lui, se pointe sur lui-même. Parce que c'est lui, le crochet zéro, c'est lui-même. Donc en fait, ici, quand vous regardez M, vous commencez par avoir une copie. Bah, c'est la même chose que L. Simplement, M crochet 0. Alors par contre, M crochet 0, ça c'est L. Ah, normalement, là, il y a. Ah, ça c'est. Et puis là même, j'ai envie de dire, c'est. Ah oui, là c'est. C'est-à-dire que, entre guillemets, celui-là, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est une copie. Par contre, alors là, si je vais chercher le premier, ah là c'est vrai. Et puis là, si, étant donné que lui, c'est le même partout, alors là, on pourrait s'énerver, voilà. Voilà. Globalement, ce que je viens de faire là tout de suite en Python, si vous avez jamais fait de C, d'algo des arbres, et des trucs un peu avec des pointeurs dégueulasses dans tous les sens, je vous promets que il y a moyen de souffrir en Python. C'est-à-dire qu'en Python, les listes sont. En fait, tous les objets sont des veuilles d'étoiles. C'est-à-dire que tous les objets, ce sont des adresses vers leur contenu. Et les listes, ce sont des veuilles d'étoiles étoiles. C'est-à-dire que les listes, ce sont des listes d'objets. Donc ce sont des tableaux d'objets. Et comme chaque objet est un veuille d'étoiles, eh ben, une liste Python, c'est un veuille d'étoiles étoiles. Ça ne veut pas dire que c'est incompréhensible, mais voilà, il y a des comportements qui vont vous demander par moment de faire des dessins et de remonter, de redescendre sur un point de vue plus bas niveau. Voilà. Création spontanée, bah oui, mais là c'est des copies d'adresses. Hein. Mais oui, mais c'est bien sûr. Oui ou non? Bon, alors là, rapidement, là, ça fait 1 h 30, putain, c'est là, 23 h 31, Madame Bury, elle va pas être contente là. Un dimanche en plus. Alors oui ou non, voici un code C pour obtenir l'approbation de l'utilisateur. Hein, dièse include stdio. Voilà, yes or no. Incroyable. Char C est égal à Z. While, tant que c'est pas Y ou N, on a fait un printf et on récupère un entier. Oui.
Donc en fait, cette fonction ne prend pas d'arguments, retourne un entier, et en fait, elle récupère régulièrement des entiers au clavier. Si cet entier c'est Y ou N, eh ben, elle est très contente parce qu'elle retourne le booléen 1 si c'est Y et 0 si c'est pas Y. Et donc ensuite, voilà, il y a un programme main qui appelle yes or no. Donc yes or no, ça fait une boucle jusqu'à ce que l'utilisateur donne Y ou N. Et une fois que c'est le cas, il dit bah, vous avez choisi oui, vous avez choisi non. Bon, jusque-là, pas de problème. On compile, on exécute. Ok, niveau d'insulte assez impressionnant, moins wall, moins NSI, aucune insulte. Je fais poète, Y, entrée, j'ai choisi oui. N, entrée, j'ai choisi non. Et là, je lui mets Z, entrée, il me fait yes or no, yes or no. Hein? Et pourquoi il bégaye là? Attends, mais pourquoi il le dit deux fois? Là, j'ai entré Z. Z, c'est pas Y, c'est pas N. Pourquoi il me le dit deux fois? Bon, alors je redonne Z. Il me le dit deux fois. Je redonne Z. Il me le dit deux fois. Bah, je donne Y. Il me dit oui, vous avez choisi oui. Bon. Alors si je dis Y, bah ça marche. Si je dis N, ça marche. Et si je donne une lettre qui n'est pas dans le manuel, il se met à bégayer. Mais pourquoi il bégaye? Bah il bégaye ici, le problème, il est là. Il est là. C'est que vous avez un scanf pourcensé et commercial de C. Donc scanf pourcensé, ça attend un char sur l'entrée standard. Simplement, donner un char sur l'entrée standard, c'est presque impossible. Il n'y a qu'une seule manière de donner un char sur l'entrée standard. C'est d'appuyer la touche entrée. Parce que l'entrée standard est bufferisée par ligne. C'est-à-dire que tant que vous n'appuyez pas sur la touche entrée, il ne se passe rien. Là, le programme fait de l'attente passive. Il dit, il y a le curseur qui clignote, il attend que l'utilisateur rentre quelque chose. Quand vous appuyez sur Z, entrée, vous n'êtes pas en train de donner un char sur l'entrée standard, vous en donnez deux. Vous donnez tout d'abord le caractère Z, ensuite vous donnez le caractère retour chariot. Donc en fait, le caractère Z, eh ben, il ne vaut pas Y ou N, donc ça fait bégayer une fois. Le caractère retour chariot, ben, il fait un deuxième tour. Et le caractère retour chariot, bah, c'est ni Y ni N, donc ça bégaye. Bah, ça bégaye deux fois. Parce qu'entre guillemets, ici, il faudrait se débrouiller pour qu'une fois que vous avez lu le premier caractère de l'entrée standard, vous soyez en train de flusher et donc de vider cette entrée standard. Alors, on ne flush pas l'entrée standard comme on veut. C'est possible de le faire. Faut quand même prendre des gants. Faut pas faire n'importe comment. Mais clairement, ici, si je balance deux caractères sur l'entrée standard, eh ben, je fais bégayer mon yes or no. Donc voilà, l'entrée standard est bufferisée par ligne, et parce qu'il ne se passe rien tant qu'on n'appuie pas sur entrée. Et quand on appuie sur entrée, la touche entrée fait partie de l'entrée standard. Et c'est un char comme les autres tours chariots. Donc il va être traité par le programme. Donc voilà, donc ça encore, hein, c'est des petits détails de système, mais faut faire attention, quoi. Monsieur, ça c'est le fault avant le main. Entendu en TP. Entendu en TP, une question d'un élève. Monsieur, enfin, l'élève l'a formulé comme ça. Est-ce que c'est possible que ça s'égfault avant le main? Voilà, donc la réponse est non. Un bug or feature, c'est toujours feature. Il faut comprendre quelque chose. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? Oula, là, ça paraît d'être un problème assez standard. Je vois qu'il n'y a pas de retour chariot. En plus, le slide précédent, ça parlait de la bufferisation en ligne de l'entrée standard. Donc là, ça va peut-être parler de la bufferisation en ligne de la sortie standard. Ici, vous avez des printf sans retour chariot. Donc ces printf sont écrits dans un buffer, mais le buffer n'est pas vidé. Le buffer, il est vidé si on arrive à la fin d'une ligne ou si le buffer est plein. Mais le buffer fait 8192 caractères par défaut. Donc c'est dur de le remplir quand même, hein. 8192 caractères, ça fait un certain nombre de lignes, hein, sur l'écran, hein. Donc non, ici, ce printf, si ma segfault est ici, parce que là quand même, là, je veux dire, c'est fait exprès, quoi. Hein. Je veux dire, ça s'invente pas. Là, le 123 000, je sais pas combien il vaut, là, mais. Ah, blerk. Bon, il est dégueulasse. Celui-là, c'est sûr, il va segfaulter. Mais les printf, ça m'étonnerait qu'ils fonctionnent. Bah oui, là, globalement, voilà. Voilà, donc on compile, on exécute, oui. On a, voilà. C'est peut-être le point slash. Oh là là, mais il y a des moqueries en plus. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil de se moquer. Donc clairement, non. Faites attention, si vous débuguez à la main,
Il faut débrouillez-vous. Alors, deux solutions. Soit quand vous débuguez à la main, vous mettez des anti-slashen. Soit quand vous débuguez à la main, vous faites des fprintf sur stderr. Parce que la sortie standard d'erreur n'est pas bufferisée, quoi. Voilà, mais oui, mais c'est bien sûr. Donc voilà pour cette sortie standard. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Ça s'effaute pas avant le main. Où c'est qu'on clique? Bon, alors rapidement, ça, rapidement. Celui-là, il est arrivé. Je l'ai revu récemment, l'année dernière, hein, pour être précis. Parce qu'il y a des choses que je vois régulièrement, des choses que je vois moins. Là, c'est une fennequisation à la macro, hein. Donc voici une des jolies macros. Alors le but, c'est de recoder un jeu de taquin comme celui-là. Avec le jeu de taquin, il a une particularité de faire du 512 par 512, hein. Donc là, vous avez 512. Là, vous avez 512. Voilà. Et vous voulez faire un jeu de taquin de 4 par 4. Donc il faut subdiviser une image de 512 par 512 pixels, la subdiviser en 4 lignes et 4 colonnes. Et 4 fois 4 fait 16. Incroyable. Donc pour ça, il y a quelqu'un qui fait des macros. Donc la taille de l'image en abscisse, c'est 512. La taille de l'image en ordonnée, c'est 512 aussi. Donc c'est égal à la taille de l'image en abscisse. Donc là, la taille du jeu, c'est 4 lignes et c'est autant de colonnes. Voilà. Et là, maintenant, si vous avez une image 512 et que vous splittez en 4, bah, c'est 4 fois 128. Donc faut diviser ici la taille d'un petit carré mobile, c'est 512 divisé par 4 qui va faire 128. Celui-là, ça va être aussi 512 divisé par 4 qui fait 128. Et puis là, donc l'élève a une fonction qui est entre guillemets, quand l'ordinateur fait un clic, on fait un petit MLV White Mouse pour savoir où c'est que le clic a été fait. On récupère une valeur, le X, il est compris entre 0 et 511. Le Y, il est compris entre 0 et 511. Simplement, il faut transformer ce chiffre qui est les coordonnées du pixel. Il faut transformer ce coordonnée de pixel qui fait partie du monde concret parce que l'utilisateur a cliqué sur l'image. Il faut le balancer dans le monde abstrait. Ce monde abstrait, c'est le monde de la modélisation du jeu. Et le jeu, il est modélisé avec un plateau 4 par 4. C'est-à-dire que ce X et ce Y qui sont les coordonnées du clic, il faut les transformer en crochet I, crochet J, qui sont un métacarré de mon petit jeu de taquin. Un petit carré qui se déplace en plastique avec mon petit doigt. Voilà. Et bien pour ça, il faut faire une division par 128. C'est-à-dire si mon clic il est compris entre 0 et 127, le quotient va faire 0. Si je suis compris entre 128 et 255, le quotient va faire 1. Et puis après, puis 2, puis 3. Donc il faut que j'ai un crochet IJ où I et J soient entre 0 et 3. Donc l'élève a fait ça, avec ses petites divisions, là, c'est exactement ce qu'il faut. Il compile, il exécute, et aucun message à la compilation, tout va très bien. Aucune segfault à l'exécution, tout va très bien. Mais quand il clique, ça ne bouge pas les carrés qu'il veut. Donc là, on commence un petit peu à se dire, c'est incroyable, tout ça. Pourquoi? 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 En fait, on prie pour qu'il y ait une segfault. On est là, s'il vous plaît, le programme segfaultez pour nous dire où c'est qu'est l'erreur. Le programme, il ne segfault pas. Simplement, quand on clique, il ne fait pas les bons mouvements. Et en fait, ici, le problème, c'est une fennequisation à la macro et ici, à la double division. C'est-à-dire que si vous faites les substitutions qui vont bien, vous allez vous rendre compte que celui-là, il va être substitué par celui-là. Mais celui-là, il contient une division. C'est-à-dire que là, je vais avoir x divisé par image size x qui vaut 512 et divisé par game size x qui vaut 4. Voilà. Voilà, très bien. Eh bien, prenons. Alors, je ne vais pas le faire en C parce que faire un programme C, ça dure 10 ans. Par contre, je peux aller en console Python parce que ça faut. La seule différence entre le C et le Python, c'est que le quotient de la division euclidienne faut double slash au lieu de simple slash. Mais en imaginant que l'utilisateur clique sur le carré crochet 1, ce n'est pas le crochet 0, le crochet 1, donc c'est le deuxième. Donc il fait un clic à 128 et des brouettes, on va dire 144. Voilà. Si je fais 144 divisé par 128, je suis censé tomber sur le 1 que je voulais, c'est-à-dire c'est le crochet 1.
J'ai dit que si j'étais entre 0 et 127, ça allait être le crochet 0. Si je suis entre 128 et 255, c'est censé être le crochet 1. Simplement, lui, dans la substitution, il ne s'est pas passé ça. Il s'est passé ça. C'est que 128, c'est 512 divisé par 4. Mais lui, il fait 0. Parce que le problème, c'est que lui, ben, il n'est pas parenthésé comme on croit. Il est parenthésé comme ça. Alors que l'élève, il voulait que ça calcule ça. Donc en fait, dans son acquisition, ben, il a tout compris. Il sait comment transformer un clic en crochet IJ. Mais le problème, c'est que là, son jeu de macro avec les divisions, eh ben, il s'est auto-fénéquisé. Parce qu'il y a cette double division qui a été incluse dans son code source. Et même si toutes les instructions étaient légales, il n'y avait pas de segfault, mais ça faisait plus ce qu'il voulait, parce que les divisions n'étaient pas résolues dans le bon ordre. Donc entre guillemets, les macros, c'est le mal. Quand vous faites des macros, mais surparenthésez tant que vous pouvez. Parce que la macro square, ok, il faut la surparenthéser, mais là, c'est encore plus. Là, c'est... Qui dit plus ? Mais c'est... Oh là 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 là, j'avais parlé 2h05, et là, je suis à 1h40 et quelques. Oh là 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 là, je suis allé plus vite que la dernière fois. C'est très bien, ça fera un petit dernier cours un peu plus calme. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir dans tous ces trucs ? C'est la fin, voilà. Rappel des objectifs annoncés au slide 2 du cours 1. Ah oui, alors si ça, c'est exactement le slide 2 du cours 1. Hein, vous pouvez reprendre votre premier cours hein, qui a été fait mi-janvier ou je ne sais plus quand est-ce qu'on avait commencé là. J'avais dit objectif de ce cours architecture des systèmes informatiques, comprendre le cheminement depuis le binaire du hardware au software. C'est-à-dire qu'on est, parti vraiment du bas niveau. Hein, quand on faisait des circuits logiques, des primitives processeurs, du Little Thinker, qu'on a parlé des processus, de l'ordonnanceur, voilà, on s'est tapé tout le cheminement du binaire, vraiment du plus bas niveau dans la mémoire jusqu'au plus haut niveau dans les programmes. Comprendre les enjeux fonctionnels relevés par un système d'exploitation, ouais. Maîtriser le shell, bah, on a fait du petit shell, on a aimé ça, c'était trop bien. Explorer les mécanismes autour de la gestion du travail, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un processus, comment la puissance de calcul est divisée entre les programmes et les utilisateurs, voilà, qu'est-ce que c'est, c'est incroyable tout ça. Utilité, capacité, gestion des mémoires, alors ça aussi on en a bouffé quoi. Où c'est que sont les mémoires, quelles sont celles qui sont pérennes, celles qui vont vite, celles qui vont moins vite, celles qui sont en grande quantité, en petite quantité, celles qui sont situées à côté du pros, celles qui sont un peu plus loin, celles qui sont sur North Bridge, incroyable. Donc au final, à quoi ça servait tout ça ? À quoi ça servait ? Donc ça sert clairement, l'année prochaine, quand vous allez faire de la vraie programmation système, vous allez non pas décrire le fonctionnement de ces mécanismes, mais vous allez carrément être acteur et programmer ces mécanismes. C'est-à-dire que vous allez utiliser fork, c'est-à-dire que vous allez programmer à la main des programmes qui fabriquent d'autres programmes. Vous allez programmer à la main des programmes qui communiquent avec d'autres programmes. Vous n'allez pas utiliser le pipe, vous allez carrément coder le pipe. C'est-à-dire que vous allez utiliser des dupes 2, des trucs bien dégueulasses pour faire des tubes entre processus. Voilà, ça c'est voilà. Donc nous, on a expliqué ce qui se passait cette année. L'année prochaine, vous allez carrément le coder avec le surcharrier, un mec comme ça, naturellement. Voilà. Donc, inculquer suffisamment de concepts pour vous permettre d'approfondir en autonomie. Alors ça, je dirais, c'est une partie vachement importante globalement parce que il est clair et net que des cours de Python, des cours d'algorithmique, des cours de web, des cours de langage du web, de base de données, on trouve des choses qui sont de très grande qualité sur Internet. Le système, j'ai envie de dire, c'est là où on a le plus de mal à trouver des ressources qui sont up-to-date, c'est-à-dire vraiment des ressources modernes. Trouver des cours modernes sur le système, c'est pas facile. Sachant que c'est quelque chose qui évolue sans cesse et très très vite. Et voilà. Et globalement, un cours de système moderne, c'est pas facile. C'est pas facile d'en trouver de qualité sur le web. Il y a énormément de choses de qualité sur le web, mais globalement, dès qu'on touche au système, il faut essayer de regarder qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, parce que parfois on trouve des choses qui sont... C'est pas très sérieux, voilà. Tisser des liens entre vos connaissances déjà acquises. Donc ça, c'était un gros objectif. Dans ce cours de système, on a mélangé du Bash, du Python et du C. On a montré que les concepts, par exemple, comme entrée standard et sortie standard, c'est au-dessus des langages. C'est-à-dire, tous les programmes en C, en Python, en Java, ils ont tous des entrées standards et des sorties standards. C'est une abstraction qui est au-dessus de tout ça, qui est faite par le système pour vraiment donner des interfaces standardisées à l'applicatif.
Voilà, c'était donc on a fait des liens entre les connaissances, on a tout mélangé en même temps, ce que vous aviez fait en L1, ce que vous avez fait en L2, voilà, on mélange tout, voilà, on recommence. Finalement, j'ai envie de dire, vous avez tout compris si vous êtes rendu compte que finalement tous vos cours c'était les mêmes. Voilà. Quel que soit le cours que vous faites, que vous soyez en AP1, en AP2, en proxé 1, en perf proxé, en initiation proxé, quoi qu'il arrive, c'est de l'informatique, quoi. On essaye de rendre des choses interopérables, hein, avec de l'information automatique. Incroyable. Informatique, information automatique. Voilà, c'est la fin. Comprendre sa machine, ce qui se passe, pourquoi ça marche, pourquoi ça fonctionne pas. Voilà, voilà. Bug or feature, je vous dirais, c'est presque toujours feature. Quand c'est bug, bah, c'est que justement, il y a encore de la magie pour vous. Et il faut faire en sorte que ce soit plus de la magie, mais vous sachiez pourquoi ces features. Voilà. Voilà. Mieux programmer, mieux débugger, en concevant des codes de meilleure qualité vis-à-vis des entrées-sorties et des interactions avec les utilisateurs et le monde extérieur. C'est-à-dire, globalement, voilà, si vous n'avez pas de notion de système, vous ne pourrez pas faire des programmes applicatifs au niveau qui interagissent correctement avec le monde extérieur. Il y aura, voilà, vous les recodez un LOL et un ladder. Clairement, il faut savoir ce que c'est qu'une socket et comment ça s'utilise correctement. Sinon, c'est mort, quoi. Hein. Je veux dire, votre client, il va pas être très, très stable, quoi. Hein. Concevoir des programmes plus efficaces car vous savez comment le système partage les ressources de calcul. Très important. Dès que vous allez vouloir faire du multiprocessing ou du multithreading, il faut des notions de système. Mieux gérer les mémoires en connaissant les caractéristiques, les limites. Eh ben oui, on conçoit des programmes plus efficaces. Quand est-ce qu'on veut éviter les appels système, sachant qu'on est obligé d'en faire? Comment on les contrôle? Comment on essaye de mesurer leurs risques, de les confiner? Ça, c'est voilà, on passe toute une vie. Si vous rêvez de devenir administrateur système, oui, ce cours est central. Oui, donc voilà, je sais pas, hein, peut-être que ce matin vous êtes dit, ah, j'ai toujours rêvé de devenir root. Ben voilà, si vous voulez devenir root. Sur toutes les machines que vous croisez, que la Terre n'ait jamais portées. Si vous voulez devenir un administrateur système, il faut être costaud en système. Hein. Ça, il n'y a pas trop de choix. Hein. La suite. Voilà, donc la programmation système, c'est l'année prochaine. C'est avec Monsieur Cherrier, probablement. Et c'est en second semestre de la troisième année de licence. Hein. C'est le S6. Impute, outpute, primitive des entrées-sorties open, read, write, open, dir, scan, dir. C'est-à-dire que l'année prochaine, vous ferez les primitives de file étoile. C'est-à-dire que les fichiers ne vont plus être des file étoiles, les fichiers vont être des entiers. Ce sera des file descriptors. C'est-à-dire, de manière primitive, un fichier n'est rien d'autre qu'un nombre entier. Et accrochez-vous, 0 c'est pour stdin, 1 c'est pour stdout, et 2 c'est pour stderr. Alors 3, ça sera peut-être un fopen, j'en sais rien. Alors ça sera pas un fopen, ça sera un open tout court. Parce que c'est man3 fopen, programmation C, man2 open, programmation système. Section 3 du manuel, on est en C, section 2 du manuel, on est en système. Donc on a perdu la portabilité et la compatibilité Windows, par exemple. Alors le multiprocessing, fork, dupteux, freeopen, c'est pour l'année prochaine. Les attentes surflux, vous allez faire du select, du poll, ça c'est pour surveiller des modificateurs et des événements qui arriveraient sur des files descriptors. Voilà, les primitives réseau, des sockets, vous allez adorer ça. Des pacefrade create, voilà, c'est dégueulasse, du multiprocessing en C. On déteste ça, mais il faut y passer une fois. Après on oublie, hein, on va au bar, hein, on se détend, voilà, mais il faut le faire une fois dans sa vie. Au moins on sait ce que c'est, quoi. Alors là, si vous allez jusqu'au mutex, bon, ça m'étonnerait là quand même, parce que là c'est vraiment de l'autoflagellation, mais ça existe, hein. On peut faire des mutex, donc des verrous d'exclusion mutuelle, là c'est, vous pouvez les coder en C si vous avez envie. Je vous le souhaite pas, mais voilà, mais oui, mais c'est le dernier slide. Mais oui, voilà, vous pouvez éteindre la télévision. À ciao, bon dimanche.